Je m'énerverai sûrement sur autre chose plus tard, mais. Cette question-là, là, sur cette histoire de base adaptée, revenir à la base canonique. On va en faire un que j'ai. Je me suis amusé à faire pendant que Gabriel faisait sa question de cours hier au tableau en colle. Après, je lui ai trouvé un petit exo sympathique qu'il a beaucoup aimé. D'algèbre, on va le faire. C'est pour qu'on ait fait des choses pas que dans R3, pas que dans R2, enfin pas que dans RN, mais qu'on ait fait ça dans un espace un peu à part. Ça a un peu à voir avec votre TD aussi. On va se placer dans E, donc on va se placer dans E, c'est M2 de R. Et on va considérer F. Alors F, ça va être juste être vec de l'identité. Et G, ça va être l'ensemble des matrices de M2 de R, ce qui rappelle un peu votre TD d'hier, tel que la trace de M, ça vaut 0. Je rappelle que trace de M, ce sera une définition de cours, hein. La trace, c'est à connaître l'année prochaine. La trace, c'est la somme des coefficients diagonaux. Donc la trace de M, quand M fait ABCD, enfin, pardon, je note n'importe quoi vu que je parle en même temps. Si M, ça fait ABCD, la trace de M, c'est A plus D. Donc la trace, vous la prendrez même sur une matrice de taille NN, la trace d'une matrice carrée, c'est la somme des coefficients diagonaux. Alors ça aura un rapport pour vous quand vous aurez les valeurs, enfin c'est un truc qui sert quand on a un peu plus d'infos sur les valeurs propres, parce que si vous arrivez à diagonaliser la matrice, ce qui apparaît sur la diagonale, c'est l'ensemble des, c'est l'ensemble des valeurs propres. Donc ce nombre, il a une signification, cette notion de trace. Ok, et ma question, les questions qu'on va poser, sont assez simples. Swapper le projecteur on va déterminer la matrice dans la base canonique de M2 de R de P. Alors, cette question 1, elle est dure entre guillemets à cause d'une seule chose. Tout le reste va être ultra facile et on aura vraiment zéro difficulté. Et c'est ce point-là, c'est le point dur entre guillemets que je veux faire en révision parce que. Enfin, c'est pas que je voulais mal expliquer, mais je pense que j'aurais dû être plus, encore une fois, dictatorial à ce moment-là pour comment mener ce genre de questions et comment ne pas vous planter et savoir le faire. Qu'est-ce qui va nous poser des questions pour la... Enfin, qu'est-ce qui nous pose problème pour la question hein? Qu'est-ce qu'il faudrait avoir pour que l'exo soit super simple? Oui. Marie ? 100% d'accord avec toi, Marie. C'est exactement ça la difficulté de la question 1. C'est la seule. Si on a, alors pas sous forme de vecteur, sous forme d'espace vectoriel engendré, sous forme vecte de quelque chose. Tout à fait, mais c'est tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vraiment ça. Déjà, si vous repérez ça, tous ceux qui ont repéré ça, c'est le point critique. Et là, maintenant, j'ai une question. Comment on fait ? Parce que je me rends compte qu'ils le font de plus en plus souvent, sur les dernières années, de vous demander pour un espace pas trop dur, montrer que c'est vec de quelque chose. Alors souvent les questions sont fermées pour pas vous perdre pour tout le reste du sujet, et je vais parler de la version fermée, mais je vais reparler des différentes versions pour vous aider à prouver tout, et à voir comment on peut s'en sortir quand c'est pas fermé. Quand c'est pas fermé, c'est un peu plus dur, c'est-à-dire là, trouvez-moi le vect, mais... Je ne l'ai pas fait au tout début quand on les a fait les espaces vectoriels, mais en vous voyant galérer au bout de un ou deux TD, je me rappelle très bien d'un TD où j'ai dit « Non, mais là, c'est pas possible, il faut que vous posiez toutes les infos que vous avez
et que vous oubliez pas que la condition d'appartenance, donc ce que j'ai pas arrêté de vous dire, c'est pour écrire le vect, qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire le vect? Je l'ai expliqué avec une phrase. La phrase, c'est donc... Alors, je vais mettre ça plutôt étape 1. Ethan ? Complètement, mais alors justement, c'est quoi la méthode que moi je vous donnais pour écrire G sous forme de vect ? C'est résoudre la condition à G, pardon. Et c'est là que je suis tout à fait d'accord avec toi, Ethan. Ce que je vois faire sur des copies, souvent, et c'est ça qui m'énerve, je vois trace de la condition, c'est trace de M égale 0. A plus D égale 0. A égale moins D. Je ne sais pas quoi en faire. Et c'est pour ça que j'ai repris cet exemple-là. Votre ensemble G, c'est, il contient quoi comme type d'objet? Oui, vas-y. Votre ensemble G, il contient quoi comme type d'objet? Des matrices. La condition d'appartenance à l'ensemble, c'est trace de M égale 0. C'est une condition, c'est une équation qui traduit une égalité de quel type d'objet? Je suis absolument pas d'accord, ce n'est absolument pas une égalité de matrice. Mathéo? Ouais, mais en termes d'objets, c'est quoi les coefficients d'une matrice? C'est des réels. Donc, vous avez des objets qui sont des matrices et votre condition qui porte sur des réels. Est-ce que vous êtes d'accord que la condition porte sur des réels, l'objet, c'est une matrice? Et ça, c'est ce que je vous ai appris. Et donc, je le fais là pour réviser. Résoudre la condition d'appartenance à G, c'est aussi ramener la condition au type d'objet, entre guillemets. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette information-là, pour moi, elle n'est pas suffisante. Parce que vous ne précisez pas quel type d'objet vous avez. Entre guillemets, je vais être plus dictatorial que ce que je le faisais avant, mais ce que je vous avais fait en fin de TD là-dessus, quand je vous avais corrigé ça, mais il n'y a rien qui a été retenu de ça. Plutôt de dire que la condition c'est trace de M égale 0, maintenant on va dire que la condition c'est trace de M égale 0, et ce qui est avant la condition, la condition d'avant, c'est M appartient à M de 2R. Est-ce que là, vous êtes bien d'accord qu'on a toutes les infos d'appartenance à G? Dans ce cas-là, je suis pas d'accord. Quand vous traduisez par A plus D est égal à 0, ça n'a du sens que si... Ça a du sens que si M... On va recopier sans arrêt M de 2R. D'où il vient mon A? D'où il vient mon D? Ah oui, si et seulement si M est égal à ABCD. Donc là, j'ai pas fait grand chose. Je continue pas la ligne d'après. Sans répondre, en levant la main. Qui comprend et arrive à me dire que ces deux conditions vont se résumer en une seule condition qui va porter sur une matrice? Oui, bah oui. Ok. Ethan, c'est bon. Théo, c'est bon. Marie, c'est bon. Noah, Samy, Simon, Louis, Cassiopée. Vous voyez pas comment on va résumer l'information en une seule fois? Paul aussi, c'est bon. Gabriel, j'espère qu'il arrive maintenant. Tu penses aussi l'avoir, Yanis?
L'info résumé. Est-ce que vous êtes d'accord que l'info résumé, c'est ça? Et maintenant, j'espère que ça vous parle. Parce que si vous arrêtez là, je suis vraiment frustré parce que vous avez fait 90% du boulot. Ça, c'est des fois plus C fois plus B fois donc je suis parti de M appartient à G. J'ai équivalence à ça et ça on est bien d'accord que c'est équivalence à M appartient à vect de. Je vais leur donner des noms sinon je vais pas m'en sortir. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est exactement la même chose que ce que je vous fais écrire sur les noyaux? Quand on part d'un noyau, on résout la condition, à la fin on obtient il appartient à un vect. Donc qu'est-ce qu'on en déduit de ça? Donc G. Ça fait vect de ABC. Et maintenant on peut faire le reste de l'exo. Alors on va refaire la question une deuxième fois. Parce que ce que je vous ai fait, c'est dur, mais j'aimerais bien que vous sachiez le faire quand même. Mais il y a un truc beaucoup plus facile. Alors beaucoup plus facile et pas si facile que ça, parce que les arguments ne sont pas du tout les mêmes. Si la question avait été montrée que G, c'est vec de ces trois vecteurs. Si on veut utiliser le fait que la question est fermée, on peut faire la même chose. Mais si on fait la même chose, on n'utilise pas le fait que la question est fermée. Comment on peut montrer que G, c'est vec de ces trois vecteurs si on nous propose de dire montrer ça? Comment on peut utiliser le fait de fermer la question? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ethan? Pas d'accord avec toi, c'est-à-dire que si tu prends une combinaison linéaire de ça, tu vas obtenir une matrice. Ah, je suis d'accord avec. Bah tiens, si ça va revenir à ce que moi je voulais voir, mais c'est une autre façon de le voir. Donc si ça marche de la même façon, enfin, on va voir. Ce qu'on avait obtenu, c'était quoi? D, B, C, D. Donc je vais dire que M appartient au vect là, c'est équivalent à ce que M s'écrive comme ça. Comment vous en servez de ça? Comment tu t'en sers, Ethan? Il y a une vraie idée de se servir de ça. On part de ça. Ok, alors maintenant j'ai une question. Donc ça, je suis d'accord maintenant. Si M s'écrit comme ça, trace de M vaut 0. Je mets quoi? Ça, c'est faux. Ce qu'on a, c'est que M est dans l'ensemble, ça implique trace de M est égal à 0. Tout à fait d'accord. Ça donne quelle inclusion? Est-ce que G est inclus dans le vect ou est-ce que vect est inclus dans G? Encore une fois, traduisez bien. Donc ça implique, je suis parti de M appartient à vect, j'implique M appartient à G. Donc ça dit bien que vect de ABC est inclus dans G. C'est ce que vous deviez faire un peu hier aussi en TD sur une des questions, montrer une inclusion. Vous voyez l'idée? Bah avec ça,
On a quasiment fini. Mais faut le savoir et faut le comprendre. Ah, on l'a pas fait, c'est vrai. J'ai oublié de faire quelque chose qu'il va falloir faire là maintenant. Question, c'est quoi dîme de vec de ABC? Pourquoi? Parce qu'il y a trois vecteurs. Amélie? Qui forme une famille libre. Utilisez le bon vocabulaire. Qui forme une famille libre. Alors, on n'a pas prouvé que la famille est libre. Je vous le fais pas faire, ça va très 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 vite. C'est pas intéressant, mais ça fait 3. Car ABC libre et je vais mettre affaire. Ok? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de dîme de G? Tout à fait d'accord, Samy. Dîme de G, parce que l'autre est inclus dedans, c'est supérieur ou égal à 3. Sauf qu'on est dans M2-2R. Alors, on sait aussi, je suis d'accord, que dîme de G, c'est inférieur ou égal à 4 parce que c'est inclus dans M2-2R. La dimension de G, c'est quoi? C'est 3 ou c'est 4? Alors, j'ai entendu c'est 3. Pourquoi? Marie? Oui, 100% d'accord que si on lit toute la suite du sujet, je suis d'accord avec toi. Mais en l'état, dans la question, il y a un autre concept qui permet de dire que c'est pas que ça va être de dimension 3. Mais je suis 100% d'accord que ça marche. Moi, j'en voudrais un autre, c'est juste pour rendre cette étape-là indépendante de tout ce qu'on va faire derrière. Baptiste? On sait déjà qu'elle est de dimension 3. J'ai déjà le supérieur égal à 3. Moi, je veux savoir pourquoi c'est pas 4. Athénaïs? Attends, le. Attends. Trace de M, c'est 0, donc le rang, c'est 2. Là, il y a un faux argument. Je sais pas d'où il vient cet argument-là. Bah non. Bah la matrice nulle, elle est de trace nulle, son rang c'est 0. C'est un espace vectoriel, il y a 0 dedans. Si vous... Alors, je vous fais quand même 1 million de raisonnements par dimension depuis des semaines. Il faudrait quand même que la petite propriété cour, elle commence à rentrer. Je vous ai toujours dit qu'en algèbre linéaire, c'est la propriété la plus utile. Si F inclut dans G et dîme de F égale dîme de G, je repose ma question. Pourquoi est-ce que G n'est pas de dimension 4? Je vais vous répondre parce que ça nie ma propriété. Si G est de dimension 4, il est inclus dans M2-2R. Il est de même dimension que M2-2R. G, ça devient M2-2R. Est-ce que toutes les matrices sont de trace nulle? Est-ce que vous pouvez me trouver une matrice qui n'est pas de trace nulle? Bah oui, l'identité. Je triche avec le reste du sujet, vu que c'est ce que j'ai mis dans le vec de l'autre côté, mais l'identité, elle n'est pas de trace nulle. Donc G, c'est pas M2-2R, donc il ne peut pas être de dimension 4. Donc maintenant, dans mon raisonnement, G devient de dimension 3. S'il devient de dimension 3, on a le vect qui est inclus dans G, les deux qui sont de même dimension, donc ils sont égaux. C'est beaucoup plus facile de répondre à cette question par lorsqu'elle est fermée que lorsqu'elle est ouverte. Je rédige ça, mais il fallait comprendre ça.
Or, dîme de G strictement plus petit que 4. En effet, si dîme de G égale 4, G est égal à M de 2R. Or, trace de I2, ça fait 2. C'est différent de 0. Donc I2 n'appartient pas à G. Et donc G est différent de M de 2R. Donc dîme de G est égal à 3, est égal à dîme de vec de ABC avec vec de ABC, on vient de le dire juste avant, inclus dans G. Donc G, ça fait vec de ABC. Oui. Pour montrer que c'était de dimension. Non, c'est plutôt de l'absurde que j'ai fait là. Ce qui ne change pas grand-chose, mais en gros, j'ai supposé que c'était de dimension 4, et j'ai montré. Donc j'en ai déduit que ça devait être M2, et j'ai montré que c'était pas possible que ce soit M2 vu qu'I2 est pas dedans. Donc j'ai plutôt fait de l'absurde, mais ça peut se rédiger. Enfin, tout absurde peut se rédiger par contraposé ou pas le concept elle-même. Oui. Ça revient à la première méthode. Non mais c'est juste pour vous montrer que si vous n'arrivez pas à isoler les paramètres, si tu sais isoler la condition, ce que je viens de faire là, c'est pas utile. Mais il y a des fois où je le vois, vous n'arrivez pas à isoler la condition, ou alors je vous donne un espace vectoriel et vous restez devant sans me dire quoi que ce soit pour essayer de l'obtenir en vect. Au moins s'il y a un vect écrit quelque part, il y a des stratégies de contournement. C'est juste ça. Ok, maintenant qu'on a le vect, on va pouvoir faire la vraie question, qui n'est pas si dure que ça, vu que c'est ce qu'on a travaillé encore hier. Donc, on a f, c'est vect de i2. G, c'est vect de ABC. Dîme de f plus dîme de g, bah, ça fait 1 plus 3. Qui fait 4, qui fait dîme de M de 2R. Et une matrice M appartient à F inter G, c'est équivalent à F appartient à M appartient à F et M appartient à G. Ce qui est équivalent à ce que M, ça s'écrive alpha fois I2, et à ce que M, ça s'écrive bêta fois A, plus gamma fois B, plus delta fois D. Tiens, pour une fois, je ne vais pas faire la différence des deux. Je vais dire que les deux sont égales à M. Donc d'un côté, j'ai M qui vaut ça, et de l'autre, j'ai M. Je fais le calcul de bêta, etc. Ok. Ça va, ouais, ça va mieux, parce que Madame de Gans m'a dit que tu étais parti pas bien. Ok. Moins bêta, bêta, gamma, delta. Donc ça, est-ce que vous êtes d'accord que c'est équivalent à dire que alpha, ça fait moins bêta? Que gamma ça fait 0, que delta ça fait 0 et que alpha ça fait bêta. Ce qui fait si je fais un pivot là-dessus, à ce que alpha égale moins bêta, gamma égale 0, delta égale 0 et là en bas je vais trouver 2 bêta égale 0. Ce qui me donne alpha égale bêta égale gamma égale 0. Donc M c'est la matrice nulle de M de 2R. Donc F inter G
Est-ce que ça vous va d'en avoir refait un dernier de ce truc-là? Alors. Je remets ma question 2. Comment je fais pour obtenir la matrice d'un projecteur dans la base canonique de M2-2R si je définis maintenant P le projecteur sur F parallèlement à G? Pardon? De quoi? Ah! Baptiste? Ça, faut que je te donne. Bah, t'as une matrice de mon projecteur là? C'est pour ça qu'il y a deux types de propriétés complètement différentes pour les projecteurs. Soit je te donne une application linéaire et je te demande de montrer que c'est un projecteur. Que j'ai pas fait ici, mais je peux te donner une application linéaire et essayer de te montrer que c'est un projecteur. Ou alors. C'est les autres questions, c'est je te donne un projecteur et je veux sa matrice. Et il y a une autre propriété de cours qui doit vous servir. Matisse? L'image de P, c'est F, je l'ai construit comme ça. Le noyau de P, c'est G, je l'ai construit comme ça. Noix? Oui, on va d'abord écrire la matrice du projecteur dans ce qu'on appelle une base adaptée. La base adaptée, c'est la base adaptée à la décomposition F plus G. Donc on commence par dire on a F plus G qui est égal à M22R Alors, faut que je donne un nom à cette base, je vais l'appeler B1. Et ça, c'est votre cours, hein. La matrice dans B1 de ce projecteur. Oui, on a l'application, elle projette sur F parallèlement à. Ça prend, c'est pas. Il faut pas la. On l'a vu le vendredi dernier. Noix? Ouais, c'est 1 0 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 0. Voilà. Parce que F était de dimension 1. On met la des 1 sur la diagonale autant de dimensions que F et on met des 0 partout. C'est pour dormir en cours, tu sors, Hugo. C'est pour dormir, tu sors. Moi aussi, je vais cligner les yeux 5 minutes alors. Comment j'obtiens la matrice dans la base canonique de P maintenant?
Kautar? Oui, je le refais une dernière fois rapidement, j'en ai marre que vous ne les connaissiez pas. Je vais aller vite. Ça, on va passer par la matrice de passage de BC à B1. On va pour ça pouvoir écrire la matrice dans B1 et ensuite on va repasser de B1 à BC. Il y a une de ces deux matrices de passage qui est facile à écrire. Bon, je ne sais pas laquelle, faut voir. Je vais tenter d'écrire les deux. Tiens, parce que je vais faire exprès de me tromper, on va le faire comme ça. La définition de vous devez comprendre de cette notation PB1BC, c'est la matrice de B1BC de l'application identité. Donc celle-là, c'est l'application qui part de BC, donc qui serait la matrice 1, 0, 0, 0. Et qu'on doit remplir en fonction donc de moins 1, 1, 0. Non, la première c'était l'identité, excusez-moi. Le deuxième vecteur c'était moins 1, 1, 0, 0. Le troisième vecteur c'est 0, 1, 0. Et le quatrième vecteur c'est 0, 0. Est-ce qu'elle a l'air facile à remplir cette matrice-là? Elle n'est pas très très dure, hein. Mais est-ce qu'elle a l'air vraiment facile de tête sans faire le moindre calcul? Moi, pour calculer la coordonnée de 1, 0, 0, 0, j'ai besoin de faire un calcul. Pour moi, ça se lit pas instantanément sur la droite. Donc celle-là, c'est que c'est la matrice compliquée à remplir. Donc on tente l'autre. Si on parle de P, B, C, B1, c'est la matrice Et donc là, ce que je mets là-haut, c'est B1. Et là, j'espère que c'est un peu plus simple à remplir par rapport à ça. Remplir l'identité par rapport aux quatre autres, j'espère que vous voyez tous que la première colonne, ça fait ceci. Et ça se voit de tête et il n'y a pas besoin du moindre calcul. La deuxième. Hugo? Ma base B1? C'est la propriété de cours de la semaine dernière. Un projecteur, là où ça projette, c'est l'identité. Donc ici, comme ça projette sur un espace de dimension 1, ça fait la matrice identité sur une dimension. Ça met le noyau ailleurs, donc ça met des zéros partout ailleurs. Et après, on complète le reste par des zéros. Donc ça me fait du moins 1, 0, 0, 1. Ici, le 1, il est là. Et là, le 1, il est ici. Dans les trois quarts des sujets, on va s'arrêter là. C'est-à-dire qu'on va vous dire de faire ça. Ici, je vais vous faire le calcul pour une seule raison. L'inverse de P, elle est très facile à calculer. On l'a très peu fait comme ça, on l'a même jamais fait. C'est pas naturel, c'est pas ce qu'on attend de vous. Là, on va plutôt s'attendre à ce que vous inversiez cette matrice-là. C'est une matrice 4-4, mais elle a très peu de coefficients, donc ça va très très vite. Mais il y a une autre solution, justement. Je vous ai dit là-haut. Cette matrice, est-ce qu'elle est très simple à remplir? Elle n'était pas super simple, mais elle n'est pas non plus super compliquée à remplir. Par exemple, la troisième colonne, le 0, 0, 1, 0, si je regarde mes quatre coordonnées à droite, ça c'est clairement 0, 0, 0, 1.
Pareil, cette colonne-là, c'est forcément 0, 0, 1, 0. Alors les deux autres sont un tout petit peu plus compliqués. Les deux autres, c'est un tout petit peu plus compliqué. Je vais poser un calcul à côté pour voir ce qui se passe. Dans les deux autres, je devrais trouver 1, 0, 0, 0. Alors, ça fait alpha fois, ça fait combien de fois l'identité? Plus bêta fois, je vais pas avoir assez de place. Je vais voir, ça fait bêta fois moins 1, 1, 0, 0. Donc je résume, je veux résoudre le système 1, 0, 0, 0, ça fait alpha moins bêta, gamma, delta, bêta. Non, il y a un problème. C'est un alpha plus bêta en bas. Ça, c'est pour vous rappeler comment on trouve des coordonnées dans une base. Si on n'a pas les coordonnées, on cherche la combinaison linéaire qui marche. Est-ce que vous êtes d'accord que ça mène à alpha moins bêta qui vaut 1, gamma égale delta qui vaut 0, et je me retrouve avec du alpha moins plus bêta qui fait 0. Bah ça me fait du alpha qui fait 1 demi et du bêta qui fait moins 1 demi et du gamma delta qui fait 0. Donc la première colonne. Ça fait 1 demi moins 1 demi, 0, 0. Je fais pas les calculs, mais je vous assure que la dernière colonne, c'est la même idée, mais c'est du moins 1 demi, 1 demi. Ouais, c'est pas possible. Non, excusez-moi, la dernière, j'ai été trop vite, c'est du 1 demi, 1 demi. J'ai pas fait les calculs de la dernière colonne. Mais moralement, c'est un tout petit peu lourd, mais on a nos trois matrices. Oui. La matrice P dans la base de C, vous venez de l'écrire là maintenant. C'est d'après la matrice de passage de B1 sur la matrice de P. Oui. Là, je vais faire le calcul. Mais pour ça, il me fallait la matrice inverse. Mais plutôt que de faire un calcul d'inverse, là, c'était juste qu'elle se remplit de façon vraiment pas très dure, quoi. Puisque même si c'est la matrice inverse de l'autre, ça reste aussi, quoi qu'il arrive, une matrice de passage. Donc, puisque c'est une matrice de passage, on peut la remplir comme une matrice de passage.
Ça va très vite de faire des calculs matriciels. Je sais instantanément que les trois colonnes qui sont là, ça fait 0. Parce qu'ici, j'ai des colonnes de 0. La première colonne, ça fait quoi sans faire trop de calculs? Multiplier une matrice par un vecteur colonne, c'est faire des combinaisons linéaires des colonnes devant. Donc ça, c'est faire une fois la colonne C1. Donc ça fait 1, 0, 0, 1. Et maintenant, il faut que je fasse mes derniers calculs. Clairement, les deux lignes du milieu vont faire 0 parce que j'ai que des 0. Et là, je vais prendre juste les premiers éléments à chaque fois. Et là, tu zoomes. Voilà. Voilà ce que c'est que ce projecteur dans la base chaonique. Est-ce que ça va cette utilisation? Bah, en fait, enfin, il n'y a pas grand chose de nouveau. Hein. Est-ce que ça va cette utilisation des formules de changement de base? Bon. Avec ça, on a fait tout ce que je voulais faire sur. Sur ce truc là des projecteurs, c'est qu'un petit point de la partie algèbre linéaire. C'est juste qu'on n'avait pas le temps de le faire à l'époque et que ça prenait, il fallait 4 heures pour le faire. Et je voulais qu'on fasse des probas, ou je sais plus ce que je voulais qu'on fasse à l'époque, peut-être des DL, je sais plus. Mais il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, c'est un tout petit point. Ah, j'ai dû me creuser la tête pour vous trouver 3 exos qui marchaient à peu près pour votre TD de lundi, parce que ça tombe pas très fréquemment, mais il faut avoir en tête ces trucs-là. Vous reparlerez des projections, notamment tout ça l'année prochaine, quand vous parlerez de projecteur orthogonal, parce que vous aurez la notion de produit scalaire. Donc c'est des choses que vous allez revoir, c'est juste une entrée en matière sur ce truc-là. C'est typiquement plutôt ce qu'on a fait là, somme d'espace et projecteur sur ce que vous allez travailler. Enfin, c'est vraiment la notion que vous allez beaucoup plus pousser l'année prochaine. On a fini avec ça. Je peux vous dire qu'après avoir corrigé mes copies hier soir, j'hésitais même à me dire est-ce que ça vaut le coup que je fasse des densités si vous savez même pas vous montrer qu'une série est convergente. Parce qu'il faudrait peut-être que je refasse des séries, en fait. Ça aurait peut-être du le coup. On va quand même attaquer les densités. Ça nous permettra d'avoir... En fait, c'est juste que... Même pour le concours blanc, c'est juste un cas tellement bien. Ça va me permettre de vous faire vérifier que des fonctions sont de classe C1 ou de classe C0. Ça va me permettre de vous faire faire des calculs de dérivés, des calculs d'intégrales, des vérifier que des intégrales impropres convergent, vérifier que des fonctions sont paires. Alors, et surtout le dernier chapitre qui nous reste, si c'est pas ça, c'est la convergence en loi. Et vous parlez de convergence en loi sans vous avoir parlé vraiment de fonction de répartition, c'est la pire chose à faire, je pense, d'un point de vue pédagogique, parce que ça vous fait pas comprendre du tout instantanément ce que c'est qu'une loi. Alors, j'ai pas encore mis les polys en repro pour les variables à densité. Je vais essayer d'aller le mettre à imprimer cet après-midi, là, enfin entre maintenant et cet après-midi. On va surtout dégrossir la notion pour le moment. Je vais vous poser une question très bête et vous allez voir tout de suite. En gros, la notion de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de faire des probas de façon continue. Et on va voir que essayer de faire des probas de façon continue, ça pose plein de problèmes par rapport à ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Comment je tire un nombre au hasard sur 0, 1 de façon continue?
Pardon? Bah, je tire un nombre au hasard, par exemple, je tire un nombre au hasard, je suis tombé sur 0,27 9 3 4 2 7 Et là est tout le problème, et tu as tout à fait raison, Amélie. Ce qui me paraît très raisonnable pour vous, c'est à l'heure actuelle, la seule chose que vous pouvez faire, c'est dire bah, je vais découper l'intervalle. Pour le moment, la seule chose que vous pouvez faire, c'est on découpe (0,1) en grand n points et qui réparti. Et on fait tendre grand n vers plus l'infini. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la seule notion un peu intuitive avec ce qu'on sait faire à l'heure actuelle qui pourrait essayer de faire un tirage au hasard sur 0,1 de façon continue? Ça revient à faire quoi comme loi de variable aléatoire, faire n points et qui réparti sur 0,1? Ce serait une loi uniforme. En fait, ça reviendrait à dire que ma variable x de oméga, je vais dire n'importe quoi, ce serait 1 sur n, 2 sur n, 3 sur n, jusqu'à grand n sur n. Et dans ce cas-là, la probabilité de x égale k sur n, bah, puisque c'est uniforme, j'ai mis un nombre, ça fait du 1 sur grand n. Ok, est-ce que vous êtes d'accord que pour le moment, et ce n'est en fait pas du tout satisfaisant, c'est tout à fait suffisant pour les variables discrètes. Quand je vous ai défini une loi d'une variable, pour le moment, la loi d'une variable, c'est la donnée de son support et la donnée des probabilités sur le support. Donc là, je viens de vous définir parfaitement la loi d'une variable discrète. Quel est le problème quand vous faites tendre maintenant n vers plus l'infini? Toutes les probas sont nulles. Comment est-ce que la somme des probas peut faire 1 si toutes les probas sont nulles? Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que vouloir définir une probabilité comme un support plus une liste de valeurs, même une liste infinie, ça ne marche pas si on veut faire des probas continues. Il faut changer complètement la notion de définition de ce que c'est qu'une loi d'une variable aléatoire. Oui, Amélie. T'as quand même, mais plus tu vas découper en petits intervalles, la proba de chaque petit intervalle est toute petite. Et quand tu vas en faire une infinité, chaque petit intervalle va être de proba 0. Oui, mais on pourra jamais dépasser. Enfin, on pourra jamais tirer un nombre supérieur à 1. Ouais, mais ça, c'est pas. Non. Justement, c'est tout le principe des séries ou de ce genre de choses, ou de l'infini découpé en morceaux. C'est que. On peut aller jusqu'à l'infini et faire un nombre fini quand même. Si je te demande de courir vers le mur, tu peux courir aussi vite que tu veux, tu te le prendras jamais. Parce qu'à un instant T, il te reste la moitié de la distance à parcourir, et à un instant strictement plus grand, il te reste encore la moitié de la distance de ce qui restait. Enfin, c'est mon fameux théorème du gâteau, quoi. Le premier, il mange la moitié de la part, on a nourri la terre entière avec un seul gâteau. C'est la notion d'infini qui marche très mal là-dessus. Il faut comprendre que ça a une limite. Non, c'était juste pour arriver à vous faire comprendre ce. C'était juste pour donner un exemple. On doit changer complètement la notion de loi. J'ai une deuxième chose pour vous. Comment? On va rappeler des petites choses. Tiens, on va refaire un exemple pour reparler d'autre chose. Ouais, on va refaire un exo, enfin vite fait, je vais aller très très vite. Hein. Si je vous donne maintenant x1, xn, on sait, on sait le faire. N variable, c'est une question de cours que je vous ai demandé de réviser en plus. N variable uniforme sur un n.
Et si je pose Y, c'est le... Non, je vais bien faire les choses. C'est le maximum de x1, xn. Comment vous me trouvez la loi de y? Ça ne répond absolument pas à ma question. Là, tu viens de me dire que y, c'est le maximum de n nombres, oui. Hugo? T'es en train de me battre. C'est un petit Y, c'est un grand Y? C'est quoi le membre de gauche de ça? Mais c'est quoi le membre de gauche de ça? C'est égal à quoi ce que tu me parles? C'est un mauvais résumé. Qu'est-ce qu'on calcule et qu'est-ce qui permet de déterminer la loi de Y? On ne fait pas le calcul de P de Y égale K. Elias ? P de Y supérieur à non ? Non, on ne fait pas un événement plus grand qu'un autre événement. Noah ? Ce qu'on va calculer, c'est ça. Et ça, parce que tu as expliqué maintenant, Hugo, mais maintenant j'ai un membre de gauche, donc j'ai un membre de... Par principe du maximum, c'est plus petit, ça veut dire que toutes les variables sont plus petites que k. Ce qui veut dire ensuite, par indépendance, que ça, ça fait du produit pour k égale 1 à n des probabilités de x1 plus petit que k. On l'a déjà fait. Ce qui applique par même loi, voilà, que ça fait la probabilité de x1, par exemple, plus petit que k puissance n. Et ça, on sait le calculer, vous êtes d'accord avec ça? Et une fois qu'on a fait ça, on revient à la probabilité de y égale k. Alors, je sais plus, il faudrait que je refasse mon petit dessin parce que je ne les ai jamais en tête. Ça, c'est la probabilité de y plus petit que k moins la probabilité de y plus petit que k moins 1. De tête, je dirais ça. Ce que je viens de vous expliquer là-haut, c'est que ceci... C'est pas une bonne façon de définir une loi continue. C'est ça que je vous ai expliqué. Donner une liste de probabilités comme étant égale, ce n'est pas une bonne façon de donner, donner des probabilités de variables continues. Mais des égalités, on peut les obtenir à partir de probas sur des inégalités. Revenons à mon exemple là-haut. Je veux tirer un nombre entre 0 et 1. Je l'appelle U, ce nombre. Quelle est la probabilité que U soit plus petit que 1 tiers? Si je tire un nombre au hasard entre 0 et 1, quelle est la probabilité que mon nombre soit plus petit que 1 tiers? Il y a, sur 0,1, il y a combien de... Il y a, en proportion, vu qu'une proba, c'est une proportion, il y a quelle proportion de nombres qui sont plus petits que 1 tiers de, sur l'intervalle 0,1? Je peux définir la loi de ma variable non pas par des égalités de proba, mais par rapport à des inégalités sur des probas. Parce qu'en fait, essayer de faire un tirage continu, ça revient à regarder la fonction, enfin entre guillemets ici, on va comprendre pourquoi après, qui vaudrait 1 sur l'intervalle 0,1 et faire une probabilité de 1 tiers, c'est ce que vous avez dû un peu entendre parler l'année dernière, être inférieur ou égal à 1 tiers, c'est aller calculer la surface qui est là. Cette surface, c'est donc une intégrale, on pourra la calculer par une intégrale, mais surtout... C'est une surface, donc c'est un nombre, et ça se calcule bien par une inégalité, on va dire que la variable est plus petite que 1 tiers.
cette fonction-là, cette proba-là, la proba d'être plus petit que. À chaque fois qu'on a fait des exos là-dessus, je vous disais, c'est faire le lien entre loi et. J'utilisais un autre mot. Est-ce que quelqu'un se rappelle du mot qui correspond à la proba de faire ça? Chaque fois qu'on faisait un calcul de ce genre-là, chaque fois qu'on faisait un calcul de ce genre-là, j'appelais ça faire un lien entre loi et. Et fonction de répartition. En fait, ce qui va permettre de définir une loi d'une variable aléatoire continue, c'est ce qu'on appelle la fonction de répartition de cette variable aléatoire. Si je vous réexplique ça sur un dernier exemple un peu plus simple pour encore comprendre ce qui se passe, et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est quoi la loi d'un lancer de dés? Pour montrer que cette fonction de répartition, elle a la même info et en mieux, mais que ce qu'on avait pour les variables discrètes. On lance un dé équilibré. On note grand X, le résultat. Est-ce qu'on est tous d'accord que grand X, ça suit une loi uniforme sur l'intervalle 1, 6? Si je vous demandais de me représenter la loi, est-ce que vous êtes tous d'accord que vous me feriez... du coup, ça veut dire que x de oméga, c'est 1, 6. Et ça veut dire que la probabilité de x égale k, ça fait un sixième pour tout k appartenant à 1, 6. Est-ce que vous êtes d'accord que ce que vous me représenteriez, c'est que vous me feriez un niveau ici à 1 sixième. Et au niveau de 1, vous feriez un bâton qui irait là. Alors après, vos bâtons, vous pouvez les mettre larges avec des petites bosses pour que ça fasse du volume, mais moralement, dans l'esprit, c'est juste des hauteurs, quoi. Ok, ça, c'est notre version pour trouver une loi d'une variable discrète. Ce que je vous avais défini à l'époque, c'est ce qu'on appelle la fonction de répartition. On soit tout le temps noté FDR pour aller plus vite. La fonction de répartition de x, c'est la fonction qui vérifie pour tout x appartenant à R. On va la définir sur R, cette fonction. C'est fx de x, c'est la probabilité que x soit plus petit que petit x. On va bien définir une fonction par rapport à la probabilité d'être avec une inégalité. Il y a peut-être trop de x. Je vais changer. Je vais mettre que c'est la fonction qui, pour tout t appartenant à R, c'est fx de t. C'est juste comme ça, il y a bien des x d'un côté, des t. Ça permet de voir ce qui se passe. Et je vais la tracer pour cette loi uniforme. C'est quoi cette fonction de répartition ? Bah déjà, c'est une fonction qui est définie sur R, vu que j'ai décidé de la définir sur R. C'est quoi la probabilité pour mon lancer de dés d'être plus petit que 0? C'est 0. Sa probabilité d'être plus petit que moins 100? C'est 0. Cette fonction, donc là, je vais tracer la fonction fx. Elle vaut 0 partout ici. Puis elle arrive en 1. Alors en 1, il va lui arriver quelque chose de très particulier. C'est que la probabilité de faire 0, d'être en dessous de 0,99, c'est 0. Par contre, la probabilité d'être inférieur ou égal à 1, c'est 1 sixième. Est-ce que vous êtes d'accord que la probabilité d'être inférieur ou égal à 1, c'est 1 sixième? Donc cette fonction, elle va faire ça. Et elle va faire un petit saut. Là, la hauteur du saut, c'est 1 sixième. Maintenant, ma fonction, elle vaut 1 sixième. La probabilité d'être plus petit que 1,5 pour un dé, c'est un sixième, donc elle est constante. Et arrivée en 2, elle fait un saut. La probabilité d'être plus petit que 2,3, 2 sixièmes, on est d'accord que c'est la probabilité d'être plus petit que 2,3, c'est la probabilité de faire 1 ou de faire 2. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ma loi, elle va refaire un saut de 1 sixième. Et là, elle atteint un niveau de 2 sixièmes
Et est-ce qu'on est d'accord, je vais pas tout tracer, mais est-ce que vous êtes d'accord qu'après elle continue de faire des sauts comme ça? Ma variable. Je vais pas tout tracer, mais elle continue de faire des sauts comme ça. Et elle arrive en 2, donc ça c'est 3, 4, 5. Là elle fait 6. Et une fois qu'elle a fait 6, c'est quoi la probabilité de qu'elle soit plus petite que 7? 6 sixième, ça fait 1. C'est la probabilité qu'elle soit plus petite que 10 000. Cette fonction, après, elle va être constante égale à 1. Alors, j'ai pas mis mes bons axes. Je vais effacer l'autre dessin parce que pour pas qu'il se mélange, je vais pouvoir faire des axes si j'efface l'autre dessin. Mais en gros, je viens de créer une fonction qui part de 0, qui va sur 0,1, qui est croissante. Et en fait, chaque fois que ma variable aléatoire prend une nouvelle valeur, ma fonction, elle fait un saut. Et la hauteur du saut qu'elle fait, c'est la proba du nouveau nombre. Donc là, comme c'est écrit réparti, ça fait des sauts de 1 sixième. Donc est-ce que vous êtes d'accord que c'est le graphe de cette fonction, le graphe de cette fonction de répartition, contient toute la formation de ma loi? Je connais le support de ma variable, parce que si j'ai le graphe, je sais à quel point ma variable saute. Et je connais les probas de chacun des événements, parce que si je peux calculer la taille des sauts si j'ai le graphe. Donc, la fonction de répartition, ça contient comme information la loi de ma variable aléatoire. Donc en fait, la fonction de répartition est un outil plus puissant et plus pratique pour connaître la loi d'une variable aléatoire. Donc de façon générale, quand on fait des variables aléatoires plus compliquées que les variables discrètes qu'on a manipulées depuis le début de l'année, on ne travaille pas avec la loi telle que je vous l'ai expliquée depuis le début de l'année, on travaille avec la fonction de répartition. Alors ça n'empêche que, vous imaginez quand, si je vous avais expliqué la loi uniforme à partir de ce graphe-là? Vous avez dit, je comprends rien, moi on me fait des bâtons depuis que je suis tout petit, lui il me fait sa fonction en escalier à la con, c'est quoi le sens? Oui, pour les variables discrètes, on ne va pas changer notre définition de la loi pour une variable discrète. Pour une variable discrète, la loi, il suffit d'avoir le support et il suffit d'avoir la liste des probabilités. C'est juste que pour les nouvelles variables qu'on va considérer, il faut un nouvel outil. Et cet outil, c'est la fonction de répartition. Donc à partir d'aujourd'hui, il est impossible que vous ne connaissiez pas cette définition. La fonction de répartition d'une variable aléatoire, c'est la probabilité de x plus petit que t. C'est la base de tout ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de répartition, d'après vous, de façon générale? Quelles sont les propriétés d'une fonction de répartition? Tiens, est-ce qu'une fonction... Alors, je vais vous faire un exemple. Hein. Est-ce que ça, c'est une fonction de répartition? Il y a plein de problèmes pour que ce soit une fonction de répartition. Qu'est-ce qu'il y a comme problème là-dedans, Théo? Ça dépasse 1. Alors, une fonction de répartition, ça doit être une proba. Donc, ça pose des problèmes. Donc, à cause de tout ce que j'ai fait là, pas possible. Nathan? Même principe, c'est une proba. Une proba, ça ne veut pas être négatif. Donc, à cause de tout ça, il y a encore un autre problème. Auxence? Ça ne posera pas de problème qu'elle soit continue. Ça veut dire que c'est pas une variable discrète. Une variable discrète, elle est constante par morceau et elle fait des sauts. C'est pas une variable discrète que j'ai tracée. Nathan. Exactement. Et ça, c'est important. J'ai essayé de vous le faire comprendre avec la variable uniforme. Quand je vous ai dit, c'est quoi la proba qu'elle soit plus grande que moins 10 000? Vous avez dit, c'est 0. La proba qu'elle soit plus grande, enfin plus petite que moins 10 000. La proba qu'elle soit plus petite que 0. Vous avez dit, c'est 0 aussi pour la variable uniforme. Mais quoi qu'il arrive, n'importe quelle variable, la proba qu'elle soit plus petite que 0, c'est forcément plus grand que la proba qu'elle soit plus petite que moins 10 000. En gros, si on teste l'intervalle moins l'infini moins 10 000, il est forcément plus petit que l'intervalle moins l'infini 0. Donc, une fonction de répartition est une fonction croissante. Et dernière chose, c'est quoi la proba qu'une variable soit plus petite que moins l'infini?
qu'une variable soit plus petite que moins l'infini. Par convention, si vous voulez, d'une certaine façon, par logique, si on veut donner une valeur logique. Oui, la probabilité qu'une variable soit plus petite que moins l'infini, c'est 0. La probabilité qu'une variable soit plus petite que plus l'infini, c'est 1. Donc en fait, une fonction de répartition, pour nous, en propriété qu'a une fonction de répartition, c'est une fonction qui est croissante sur R. Telle que fx de t, elle tend quand t tend vers moins l'infini vers 0, et fx de t tend quand t tend vers plus l'infini vers 1. Alors, il va manquer une petite propriété, on fera le topo du cours cet après-midi quand on aura le poly. Il va manquer une toute petite propriété, on va la mettre sur le tapis celle-là parce qu'elle va peu nous intéresser et je suis obligé de vous définir ce que c'est qu'une fonction de répartition générale. Mais, puisqu'on vous a enlevé la vraie notion de tribu au programme, vous justifiez pourquoi elle a cette propriété-là, en plus la fonction de répartition, je peux aller me coucher un bon moment. Elle a une dernière propriété que vous ne pouvez pas comprendre, c'est qu'on dit qu'en tout point, elle est continue à droite. Ça, on va l'admettre et on va même pas en parler trop. C'est ce que j'ai fait sur mon graphe. La probabilité, c'est ce que j'ai fait ici. La probabilité que mon D soit plus petit que 0,99. Ça fait 0. Qu'il soit plus petit que 0,999. Ça fait 0. La probabilité qu'il soit plus petit que 0,999999. C'est 0. Par contre, la probabilité qu'il soit plus petit que 1, ça fait un sixième. Donc cette fonction, ici je peux approcher aussi bien que je veux de 1 par la gauche. Ma variable va sauter et va valoir un sixième en 1. Par contre, si je l'approche en tout point par la droite, elle ne sautera pas. Elle est continue par la droite uniquement en tout point. C'est un peu bizarre, mais ça on va l'admettre. Ça a à voir avec la notion de tribu qu'on n'a pas bien définie parce que c'est plus au programme. Faut l'admettre. Ça, c'est une fonction de répartition générale. On ne considérera pas des horreurs pareilles. La pire horreur qu'on sait faire en proba, c'est un truc comme ça. C'est gérable, mais c'est hors programme pour nous complètement. C'est ce qu'on appelle des variables générales. Ce serait une variable qui ferait je suis continu, je crois, et puis là, j'ai décidé de faire un saut. Depuis d'être constante, puis de refaire un saut. Puis là, j'ai décidé de croître. Alors, on ne peut pas redescendre, hein, mais... Et là, j'irai vers 1 à l'infini et je vais bien sûr à 0. Ça, ce serait une fonction de répartition d'une variable horrible qu'on est absolument incapable de gérer. Nous, ce qu'on sait gérer, c'est les variables discrètes. Les variables discrètes, leur fonction de répartition, c'est une fonction en escalier. Avec un nombre fini d'escaliers, si c'est une variable discrète finie, avec les taux. Et si c'est une variable discrète infinie, il y aurait un nombre infini d'escaliers. Mais ce serait juste ça. Et d'après vous, quelles conditions on va aller imposer pour essayer de faire d'autres choses que des fonctions en escalier et des fonctions pas trop compliquées et pas trop moches pour nous? Sur ce graphe que j'ai essayé de vous faire là, qui est pas croissant, pas décroissant, ce qu'on va essayer de considérer, nous, c'est des fonctions de répartition qui vont être continues. Et même plus que continues, souvent... lisse régulière, c'est-à-dire un truc comme ça. Ça, ce sera un type de fonction de répartition qui sera, donc c'est une fonction croissante, continue, tout ce qui est plus gentil, et ça définira ce qu'on va appeler, nous, une variable à densité. Alors le problème, c'est que vous avez la notion de variable continue, mais là, j'ai fait quelque chose d'un peu plus régulier qu'une variable continue. Vous ne le savez pas, mais parce que quand je vous définis fonction continue, on crée des fonctions continues, donc on ne crée pas des horreurs. En maths, il existe des horreurs absolues, notamment ce qu'on appelle la fonction de Cantor, qui est une fonction qui est continue partout, dérivable nulle part. Vous ne pouvez pas la tracer. Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est pas traçable. Donc vous irez voir ce que c'est que la fonction de Cantor, mais
Je ne peux pas vous tracer une fonction qui est continue partout, dérivable nulle part, mais ça existe, on peut la construire. Donc nous, on va se limiter à quelque chose, c'est-à-dire que notre fonction, on ne va pas lui interdire de faire ça. Oh, bah elle a envie de... Parce que ça, je vous rappelle que s'il y a des points anguleux... Alors, c'est croissant, hein, donc les points anguleux, je peux me limiter, hein, mais... Donc si, encore une fois, hein, si là, la borne, c'est 1, ça reste une fonction de répartition. On va pas se priver des fonctions qui sont pas dérivables partout. Mais on va juste se limiter aux fonctions qui sont non dérivables en un nombre fini de points. C'est-à-dire que le nombre de points où elle peut prendre des angles et être non dérivable, ça va être fini. Donc moralement, si vous faites une tracée d'une fonction qui est croissante, qui part de 0 en moins l'infini et qui arrive en 1 en plus l'infini, et qui est régulière, vous avez ce qu'on va avoir, une variable à densité. Enfin, la fonction de répartition d'une variable à densité. Oui, Samy ? Justement. Alors, la loi normale est une variable à densité. La loi normale, c'est la variable dont la densité, dont la fonction de répartition, qu'on appelle souvent phi, qui est f, je vais la noter n01 en bas, entre guillemets, hein, de t, bah, c'est une fonction parfaitement symétrique qui a une courbe exponentielle comme ça d'un côté et une courbe exponentielle comme ça de l'autre. Donc si je te donne l'équation de cette courbe, alors forcément elles vont toutes ressembler à ça, parce que c'est des fonctions qui sont à valeur dans 0,1, etc. Enfin, toutes nos fonctions, maintenant on va considérer des fonctions qui sont à valeur dans 0,1, donc elles vont toutes se ressembler si elles sont lisses. Mais ça, c'est la fonction de répartition de la loi normale. Alors bon, je vais un peu vite, mais on refera le cours. Mais vous dites, ouais, mais le graphe de la loi normale qu'on m'a montré, c'est pas ça, hein. Si ça, je l'appelle phi, à partir du graphe qui est là, est-ce que quelqu'un peut essayer de me tracer vaguement le tracé de phi prime? Ma fonction exponentielle vers moins l'infini, elle tend vers 0, sa pente. Elle est à peu près combien, sa pente, vers moins l'infini? Bah, elle est nulle, elle est nulle la pente. Donc cette fonction, si je trace sa dérivée, vers moins l'infini, elle fait ça. Puis là, elle se met à accélérer. Elle accélère même jusqu'à 0. Est-ce que vous êtes d'accord qu'après 0, elle ralentit? Bah, donc j'ai une courbe qui accélère, et après 0, elle ralentit. Et vers 1, la pente, enfin vers plus l'infini, la pente, elle redevient nulle. Je viens de vous tracer la dérivée de la fonction de répartition. La dérivée de la fonction de répartition, c'est ce qu'on va appeler la densité de la variable aléatoire. Je vais le faire ici, vous le retrouverez dans le poly, hein, ce graphe-là. Ah mince. Je vais superposer mes graphes et vous allez comprendre pourquoi. Ouais, je vous ai dit, la fonction de répartition, c'est celle qui, notamment en 0 ici, enfin, j'avais mis en 0 ici, elle vaut 1,5. Phi de 0, ça fait 1,5. Je vais vous donner une autre valeur, enfin, on s'en fiche. Vous le savez peut-être pas, si vous avez fait un tout petit peu d'intervalle de fluctuation à la con, là. Si en ordonnée, j'essaye de mettre l'image à 0, 0,5. Non. Excusez-moi. 0, 0,25. Donc, cherche le point à quel nombre la probabilité vaut 0, 0,025. Le nombre qui est ici pour une loi normale. Ah oui, j'en ai pas entendu parler de ça. Non, le 1,96, ça vous dit rien?
Ils n'avaient pas fait le moindre intervalle de fluctuation, c'était au programme. Mais c'était dans les trucs, ouais, wow, il y a le Covid, on va rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur le graphe d'en dessous? Sur le graphe qui est là, ça veut dire que si je fais la surface sous la courbe, alors déjà, ça veut dire que la proba que x soit plus petit que moins 96, ça, ça veut dire ça, d'un côté. C'est la définition du graphe de la fonction de répartition. Mais ce que ça va me dire, c'est que la surface sous la courbe, entre la partie de moins l'infini jusqu'à moins 96, cette surface-là, elle vaut exactement 0,025. C'est-à-dire que la probabilité qu'on peut obtenir sur une variable à densité, c'est la surface sous la courbe de la densité. Donc oui, des calculs de variables à densité, c'est montrer que des fonctions sont continues ou de classe C1. Parce que pour pouvoir les dériver, il va falloir montrer qu'elles sont de classe C1. Pour pouvoir obtenir une densité, il va falloir savoir la dériver. Pour pouvoir calculer une proba, il va falloir calculer une surface de la densité, donc une intégrale. Les variables à densité, c'est des probas, mais il y a zéro calcul de proba. Il y a aucun raisonnement de proba avec... C'est de l'analyse. C'est de l'analyse. Bon, il faut qu'on pose le cours là-dessus. Mais on a compris ce que c'est qu'une variable à densité. Ah, donc je vais rajouter des petites définitions, mais on reparcourra vite fait les définitions cet après-midi quand on aura le poly. Donc qu'est-ce que je vais poser comme définition? Je vous ai mis au-dessus ce que c'était que la fonction qu'une fonction de répartition générale. C'est quoi une fonction de répartition d'une variable à densité? Alors c'est là où on va faire des choses encore... c'est le problème de ce chapitre, il n'est pas très carré, mais il n'y a pas le choix, parce que ce n'est pas des choses carrées, vu qu'on ne veut pas vous faire une théorie lourde. Mais on veut pouvoir quand même considérer des choses simples, et on a besoin de choses compliquées pour faire des choses simples. Soit f... Soit f une fonction. F est la fonction de répartition d'une variable à densité x. C'est si et seulement si. Plein de choses. Bah déjà, pour que ce soit la fonction de répartition d'une variable à densité, comme tout à l'heure, il faut déjà que ce soit une fonction de répartition. Donc il va falloir que f soit... Alors moi je vais l'écrire comme ça, je vais rajouter croissante. Et là je vais l'ajouter parce que c'est ce qu'on a dit. Et continue sur R, non négociable. Oui. Partant de la droite. Bah, on a dit que elles sont continues à droite, mais ouais, mais justement, là je rappose une condition. Ceci, ce que je t'ai tracé là, ça, c'est une fonction de répartition. Okay. Mais c'est pas une fonction de répartition d'une variable à densité. Parce qu'il y a des sauts. Voilà, c'est ce que j'impose. La fonction de répartition d'une variable à densité sera une fonction qui est continue, croissante sur R, continue sur R. On va rajouter une condition, c'est que f va être de... Pour qu'on puisse parler de la dérivée de la densité, on va imposer que f est de classe C1. Alors c'est là où on est obligé de faire un truc un peu moche, mais on n'a pas le choix. Sur R, éventuellement privé d'un nombre fini de points. Éventuellement privé d'un nombre fini de points. Alors, pourquoi? Pour un truc tout bête. Je vous fais un graphe juste en dessous pour justifier ça. Je finis ma définition juste après. Tirer un nombre au hasard sur 0,1, c'est créer la fonction de répartition qui est la suivante. Bah, elle est nulle avant 0.
forcément elle vaut 1 après 1. Et si je veux tirer un nombre uniformément sur l'intervalle 0,1, d'après vous, je fais quoi comme graphe entre ces deux points? Si je veux tirer au hasard. Bah, en gros, si je veux, c'est un peu ça, hein. Je veux faire un escalier infini. Bah voilà, si je veux faire la limite d'un escalier infini, ça fait une droite. C'est ça ma variable uniforme. Et cette fonction-là, elle n'est pas dérivable ni en 0, ni en 1, parce qu'elle n'a pas la même pente à gauche et à droite en 1 et en 0. Donc pour pouvoir considérer cette variable-là, je suis obligé dans ma définition de dire que ma dérivée, je veux, elle a le droit d'exister, sauf potentiellement en un nombre fini de points. Je ne sais pas la position de ces points, je ne sais pas la valeur de ces points, mais je suis obligé de le définir comme ça. Et il manque deux propriétés qui sont liées aux fonctions de répartition. Il faut encore deux propriétés pour que ce soit une fonction de répartition. Qu'est-ce qu'il faut comme propriété? On l'a dit tout à l'heure. Monotone, j'ai mis qu'elle est croissante. Donc j'ai déjà mis. Ethan? C'est vrai que j'ai pas mis qu'elle était positive. Mais je vais le mettre parce que je vais mettre moi. Ça va le justifier instantanément qu'elle sera positive. Smile? F de x doit tendre, f de t doit tendre quand t tend vers moins l'infini vers 0. Et f de t doit tendre quand t tend vers plus l'infini vers 1. J'ai dit soit f une fonction, je veux que ce soit une fonction de répartition. Et si vous faites ça, vous avez la fonction de répartition d'une variable à densité. C'est pas une question classique de vous poser ça, mais c'est des choses à savoir, il faut quand même savoir faire ça. Bah ça, faut qu'on sache le prouver, on peut le faire, on peut faire des exos là-dessus. On va en faire des exos simples, des exos plus compliqués après. Faisons un premier exo là-dessus. Il faut pas que je me plante. Je vous définis la fonction f de x qui vaut 1 sur pi arc tangent x plus pi sur 2. Montrez-moi que c'est la fonction de répartition d'une variable à densité. Ça ressemble pas trop à des probas pour le moment, hein. Ça ressemblera jamais à des probas. Qu'est-ce que je dois faire? Jusqu'à là-haut. Qu'est-ce qu'on va faire en premier? Ethan? On peut essayer d'aller calculer ses limites, je suis d'accord. Oui, Samy? C'était pour donner la valeur de la limite? On va déjà faire les limites, laisse-moi le faire quand même. Arc tangent x en moins l'infini? Moins pi sur 2. Oh, ça fait 0. Vous m'applaudissez jamais, moi. Arc tangent en plus l'infini, ça fait pi sur 2. Bon, ça fait clairement du pi sur pi. Ça fait 1. C'était pour ça que j'avais besoin de 10 secondes. Il fallait que je m'arrange pour les constantes pour être sûr que ça tende bien vers 0 et vers 1 de l'autre côté. Ensuite, deuxième point, qu'est-ce qu'on doit vérifier, Samy? Alors justement,
deux choses l'une. Ah oui. Justement. Pour revenir à la condition de... C'était qui? C'était Ethan qui avait dit que la fonction devait être positive, je crois, tout à l'heure. Tout est lié à ça, et donc on peut le faire de plein de façons différentes, et on va en parler. Je reviens sur la définition. Puisqu'ici, j'ai mis que la fonction doit être croissante. Dès que j'impose que la limite en moins l'infini vaut 0, je sais qu'elle est positive. En fait, c'est juste ça. Donc ça justifiait le fait qu'elle devait être positive, mais c'était le cas. Oui. Oui, parce que le fait que la dérivée va être positive, ça va justifier de la croissance de la fonction. Je suis d'accord avec toi, Samy. Sauf que pour pouvoir calculer la dérivée, faut peut-être savoir si elle est dérivable. Et donc pour ça, faut peut-être vérifier si elle est continue et dérivable. Et pour ça, on va juste vérifier si elle est de classe C1. On a f. Ça vous va comme argument? C'est juste, je vais pas détailler toutes les fonctions, c'est arctanique, c'est après je multiplie et j'ajoute des constantes. Donc c'est une fonction affine de arctan, donc ça a le même domaine que arctan. On a f qui est c infini sur r comme fonction affine de arctan. On précise arctan étant c infini sur r. Ok. Donc en particulier, parce que là on va vous demander que vous ayez bien énoncé en particulier. F est continu sur R et F est de classe C1 sur R. Elle est bien de classe C1 sur R ou R privé d'un nombre éventuellement fini de points, donc ça c'est bon. Elle est continue. Il nous reste un dernier point à prouver. Il faut prouver qu'elle est croissante. F' de X. Alors, faut savoir dériver, on garde le 1 sur pi, le pi sur 2 va se dériver en 0, arc tangente, ça se dérive comme ça. Donc, ça fait 1 sur pi, facteur de 1 plus x carré. Clairement, strictement positive par positivité du carré. Donc, f est croissante. F est bien la fonction de répartition d'une variable à densité. Alors je vais le refaire de tête celui-là. Alors là c'était, on était dans le monde des bisounours, tout était beau et gentil. Ça, c'est un exo personnel, vous verrez jamais ça dans un sujet de concours, c'est beaucoup trop horrible. Strictement. Je peux pas donner deux expressions au même endroit. Voilà une nouvelle fonction grand F. Montrer que F est la fonction de. Enfin, est la fonction de répartition d'une variable à densité. Même question, hein. Et donc, bien sûr, si vous me faites comme pas ODS que je suis en train de corriger, mais ODS d'avant, un demi d'exponentielle, c'est continu, sinus, c'est cosinus, c'est cotis, c'est continu, 1, c'est continu, aucun problème.
Qu'est-ce qu'il va falloir faire en plus? Pour la continuité, hein. Ce qui va vous poser des problèmes, c'est la continuité. Hein. Kautar? C'était. Qu'est-ce que tu veux dire par les limites? Exactement, c'est exactement ça. En fait, on a plusieurs expressions. Nos règles de d'habitude vont permettre de donner le domaine sur chacun des domaines où il y a l'expression unique. Mais au moment où on change d'expression, il va falloir aller vérifier à la main la continuité des fonctions. Donc ça, oui, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'il va falloir dire. Donc, après, on peut faire les limites aussi, hein, clairement. Quand x est strictement négatif, ça fait un demi d'exponentielle x qui tend clairement, quand x tend vers moins l'infini, vers 0. Pardon. Ma fonction f de x, elle vaut 1 quand x est plus grand que pi sur 3. Elle tend donc, quand x tend vers plus l'infini, vers... Oui. La continuité. Ça va être le point où on va justement... Cette fonction-là, elle est continue. Bah, sur l'intervalle où on l'a défini, on va la définir sur moins l'infini 0. Celle-là, elle est clairement... Je parle de C0, est-ce que... Vu que je vais devoir parler aussi du moment où elle est C1, autant y aller... Clairement, les trois expressions que j'ai données, là où elles sont définies, il n'y a aucun souci, elle est C1. Qu'est-ce que ça permet de conclure sur cette fonction? Ça permet de conclure quelque chose de très 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 simple. C'est qu'elle est de classe C1 sur R, sauf éventuellement au point de raccord, où j'ai rien vérifié. Donc voilà pourquoi va venir mon « sauf éventuellement » en un nombre fini de points. Parce que là, j'ai fait quelque chose de suffisant pour prouver qu'elle est C1. Donc ça, ça implique que F est C1 sur R privé de 0 et pi sur 3. Là, je vous précise un truc. La fonction est peut-être C1 ici. C'est peut-être C1 en ces deux points. Mais 1, on ne l'a pas vérifié encore, et 2, il n'y a pas besoin de le vérifier. Donc là, avec ça, je viens bien prouver mon fameux R éventuellement privé. Oui, Amélie. Parce que ma propriété pour être C1, j'ai juste besoin qu'elle soit C1 sur R éventuellement privé d'un nombre fini de points. Là, j'ai trouvé qu'elle était C1 sur R privé des points de raccord. Vu qu'elle change d'expression en 0 et en pi sur 3, je prive les deux points de raccord sans réfléchir. Donc, j'ai privé de deux points. J'ai fait les limites, mais là je suis sur autre chose. Je suis en train de montrer qu'elle est C1. En fait, si tu as montré que C1 mais que tu as des problèmes de raccord, tu t'en fiches pour être de classe C1.
Par contre, attention, dans la définition que j'ai donnée, il faut qu'elle soit continue sur R. Et ça, on ne l'a pas encore vérifié. Là, on a continue sur R privé de 0 et pi sur 3. Mais pour la continuité, je vais avoir besoin de vérifier, je n'ai pas le choix. Oui. Pour continuer, on va devoir vérifier en 0 et pi sur 3, on n'a pas le choix. Alors je vais faire la limite en 0 en premier. Donc si ma fonction tend vers 0 par valeur négative, ça tend vers quoi ce nombre? Bah oui, un demi, merci Amélie. Non, c'est 1/2. Oh mon Dieu, les fonctions trigo, ah, c'est pas possible, quelle horreur. Alors là, on va tricher. Si la question est pas fausse, si la question est pas fausse, ça tend forcément vers 1/2. Même pas besoin de connaître ses valeurs trigo. Sinon, c'est que la question est fausse. Si la question avait été ouverte, est-ce que c'est une fonction de répartition d'une variable à densité? Là, c'est plus dur parce que je peux peut-être vous arnaquer. Ça fait 1/2 hein, parce que cosinus, ça fait 1 et sinus, ça fait 0. Hein, donc, ça fait bien 1/2. Non, mais si ma question est vraie. Si ce qu'il faut prouver est vrai, elle doit être continue. Si elle est continue, je peux pas avoir d'autres valeurs que 1/2. C'est de la triche, mais si tu as un doute sur tes valeurs de cos et sin, celle-là tu peux la tenter, on peut pas. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas. Je peux pas avoir. Quelqu'un qui me rédige ça, c'est parfait. Je peux pas avoir la différence entre celui qui connaît sa valeur de cos et celui qui a juste fait. Quand x tend vers pi sur 3, ça tend vers 1, merci. Et cette fonction là, quand x tend vers pi sur 3? Ah oui, en trichant, 1. Sans tricher, 1/2 de racine de 3 fois racine de 3 sur 2 plus 1/2. Ce qui fait du 1/2 de 3/2 plus 1/2. Ce qui fait du 4/4. Ce qui fait du 1. Et est-ce qu'on est bien d'accord qu'avec ces deux points de raccordement, on a bien prouvé que f est continu sur R? On n'a pas fini. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à prouver? Un seul point. Ouais, il faut montrer qu'elle est croissante. Alors, on va rentrer dans des grosses subtilités, mais pour la croissance, faites-le en dernier toujours, pour une seule raison. Prouver la croissance de ça, d'un truc à plusieurs morceaux comme ça, une fois que vous avez la continuité, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi ?
Bah, on va dire que f, on sait déjà qu'elle est classe C1, mais on a dit sur R privé de 0 et pi sur 3. Donc elle a une fonction f' de x. F' de x qui a plusieurs expressions du coup. Elle vaut 1 demi d'exponentielle x si x strictement négatif. Alors faut que je dérive mon truc, la dérivée de sin c'est cos. La dérivée de cos c'est moins sin. Va être l'heure. Je vais finir mon calcul de dérivée, je vais arrêter là, on va expliquer ça cet après-midi, mais je reprendrai à partir de là. Et le troisième morceau, bah, c'est 0. Attention, dans aucun de mes intervalles, j'inclus le 0, le pi sur 3, vu qu'on ne sait pas si c'est dérivable en ces points-là, on ne l'a pas dit. Quel est le problème? Qu'est-ce qui va être facile? Ça va être facile de dire que ces fonctions sont positives, les morceaux de dérivée. Mais si vous n'avez pas une fonction continue, vous aurez beau avoir un premier morceau croissant, un deuxième morceau croissant, si vous n'avez pas que votre fonction est continue, elle pourrait très bien faire ça, votre fonction. Croissante. Croissante. Au final, elle ne serait pas croissante sur R. Il n'y a que parce qu'on a la continuité que si on sait qu'elle est croissante sur ce morceau-là et croissante sur ce morceau-là, parce qu'elle est continue, on sait qu'elle est croissante globalement. Ok sur la subtilité, donc c'est pour ça qu'on finit. Alors, on va finir le cours, enfin on va finir l'exo plutôt et on continuera sur le cours après. Donc, on en était à ça, on devait montrer que la fonction est strictement croissante. Donc clairement ce qu'on peut dire c'est que... Ça c'est strictement positif, ce qui implique que f est strictement croissante. Cet intervalle-là, c'était sur moins l'infini 0. Je vais parler aussi du 0, puisqu'il y a un bout de dérivée nul. Ce qui veut dire que la fonction est constante. Là où la fonction est constante, elle est croissante. Elle n'est pas strictement croissante, mais une fonction constante, on peut dire qu'elle est à la fois croissante ou décroissante. Donc 0, positif ou nul, on sait aussi que f est... Et croissante, pardon, on va pas le dire strictement, sur pi sur 3 plus l'infini. Et comment on fait sur 0 pi sur 3? Il y a une différence de cosinus sinus. Noir. On peut le faire par amorce, ça va marcher très très bien, mais en fait c'est juste que là, c'est parce que Amélie est venue me voir, elle m'a posé une question ce midi et j'ai pensé à autre chose et je me suis dit que c'était vachement mieux. Autant ces deux-là passer par la dérivée pour avoir la stricte croissance, c'est très simple et ça va très très bien. Bah non, j'allais dire une bêtise à vouloir être... Elle est où? Non, j'allais dire une bêtise, j'avais parlé de somme de fonctions croissantes, mais cos elle est décroissante, donc on est bloqué. Donc non, il faut passer par une amorce, il n'y a pas le choix. Non, non. Pourquoi j'avais ça en tête? Oui, il faut, en fait, ce qui va faire marcher les choses en termes de signes, c'est juste la gamme de valeurs où on est. Puisqu'on a 0 qui est compris entre x et pi sur 3, ça va impliquer deux inégalités différentes. Le cosinus x, puisqu'il est décroissant, il va être compris entre cosinus de 0 et cosinus de pi sur 3 qui fait 1/2. Et le sinus x, il va être compris, lui, puisqu'il est entre 0 et pi sur 3, entre 0 et racine de 3 sur 2. Ce qui implique bien sûr que racine de 3 cos x moins sinus x, si je fais une inégalité sur moins sinus x et que je les additionne ensuite, si je multiplie par moins 1, ça va me dire que ça c'est plus petit que racine de 3 moins 0 et là je vais me retrouver avec du racine de 3 sur 2 moins racine de 3 sur 2, ce qui me fait bien un nombre qui est bien positif. Donc f est croissante
sur 0 pi sur 3. Et c'est là où vous ne pouvez pas aller plus loin avec une fonction dérivée qui a trois expressions si vous n'avez pas la continuité de la fonction. C'est exactement le graphe que j'expliquais ce matin juste avant qu'on finisse. C'est que là, si je vous donne trois fonctions, bah, celle-ci elle est croissante jusqu'en 0. Je vous refais une fonction croissante jusqu'en pi sur 3 et je vous refais une troisième fonction croissante. Et ça ne me fait pas une fonction qui est globalement croissante. Par contre, si chaque morceau est croissant et que la fonction est continue, elle ne peut pas se relier comme ça, c'est pas possible. Donc si on ajoute en 2 plus grand F et continue sur R, alors F est croissante sur R. Ça c'est important, on cherche cette phrase-là, cette ligne-là, enfin un truc pour que vous compreniez que c'est pas juste 3 fois 3 dérivés positifs qui assurent la croissance globale, mais que ça donne la croissance par morceau, entre guillemets, et qu'il faut un argument en plus. Donc juste une phrase pour dire quelque chose comme ça, on est bon. Est-ce que ça va sur ces deux exercices, montrer qu'une fonction est une fonction de répartition d'une variable à densité ? Montrer qu'on a les bonnes limites, montrer que la fonction est continue, montrer qu'elle est C1 sur R éventuellement près d'un point et qu'elle est croissante. Pas mal de points à vérifier, c'est assez long. Mais chaque point que vous faites vaut des points. C'est pas très dur en général. Alors, on va essayer. Oui, je l'ai bien ouvert. On va reparcourir très très vite le début du poly, parce que c'est déjà ce qu'on a expliqué ce matin. Donc au tout début, définition 1, je vous ai redonné la définition, on l'avait vu, de ce que c'était que la fonction de répartition. Je vous l'ai expliqué ce matin, maintenant, la loi d'une variable aléatoire générale, c'est défini par sa fonction de répartition, ce qui veut dire que si on veut dire que deux variables ont la même loi, on doit dire qu'elles ont même fonction de répartition. On ne va rien changer sur ce qu'on sait faire en proba discrète. Alors, on va continuer à faire comme on a toujours fait. Mais pour les variables à densité, on est obligé de passer par ça. Je vous ai fait un graphe informatique dans une situation un tout petit peu différente de mon dé. Je vous ai fait la situation d'un dé équilibré ce matin. Là, vous voyez une fonction où j'ai pris un dé non équilibré. Donc les probas varient, donc les sauts de l'escalier ne sont pas constants. Mais on voit bien que... on a la même information dans les deux graphes superposés, à la fois si on a les probas que si on a la fonction de répartition. On voit bien où la fonction saute et la taille des sauts règle les probas. On avait parlé de ça, ce qui caractérise une fonction de répartition globalement. C'est que c'est une fonction croissante avec les bonnes limites. Et on avait ce troisième point qui était un peu bizarre, qui était elle est continue à droite en tout point de R. Bon. C'est encore au programme, mais on va l'admettre. Et ce qu'on a vu pour les variables discrètes, c'est que les variables discrètes, les points de discontinuité de la fonction de répartition, ce sont les sauts. C'est là où elle met du poids, la variable discrète. Et pour avoir la loi de la variable, il suffit de retrouver le saut. Si on a la taille du saut, on a la proba de la variable. Ce qui nous permet de dire quelque chose d'assez bête, mais c'est que notre définition avant de loi par support plus le liste des probas, bah dans le cas des variables discrètes, ça revient à connaître la fonction de répartition. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est juste que la fonction de répartition, c'est plus général. Alors ça, on n'en a pas parlé, je vais faire le graphe vite fait. C'est la seule que vous êtes qui est officiellement au programme en disant ils doivent connaître la fonction de répartition d'une variable de Bernoulli. J'ai jamais vu demander nulle part, mais on va la refaire, on va la tracer, c'est vrai. C'est quoi la fonction de répartition d'une variable de Bernoulli? Une variable de Bernoulli, c'est quoi? C'est une variable qui prend deux valeurs, 0 avec proba 1 moins p et 1 avec proba p. Donc qu'est-ce qui va se passer? La fonction de répartition va être nulle jusqu'avant 0. Elle va faire un saut au niveau de 0. Elle va prendre une valeur ici qui vaut en ordonnée 1 moins p, vu qu'elle fait un saut d'égal à la proba. On va avancer. Elle va refaire un saut au niveau de 1. Alors, hop, on va mettre les ordonnées. Puisqu'après, elle reprendra plus de valeur. Enfin, le graphe va se faire comme ça. C'est constant, hein, c'est plat.
C'est quoi la valeur qui est là? C'est 1, oui. Et ce qui vaut P ici, c'est la taille uniquement de ce saut là. C'est ce saut ici qui vaut P. Ce qui fait bien que le 1 moins P plus P, ça fait 1. Voilà pour le graphe d'une fonction de répartition d'une variable de Bernoulli. Bon. C'est pas capital à mon avis. Alors, je vous ai pas donné cette définition là, enfin on l'a pas écrit noir sur blanc, mais on en a parlé, notamment quand on parlait de la fameuse loi normale et que son graphe c'était pas celui auquel vous attendiez. Donc qu'est-ce qu'on va appeler une variable aléatoire à densité? Une variable aléatoire dont la fonction de répartition est continue sur R. Et là j'ai mis un peu plus de détails quand je veux quantifier les choses dans mon cours. Quand je veux vous parler de R éventuellement privé d'un nombre fini de points, là c'est moi qui ai fait le choix, je vais dire qu'elle est C1 sur A, où A est un ensemble R privé éventuellement privé d'un nombre fini de points. Pourquoi ça joue? Parce que ce qu'on va appeler alors densité de la variable X, c'est ce mot-là qui joue. Toute fonction petit f définie sur R à valeur positive et vérifiant petit f de X égale grand F prime de X. Alors je reviens, qu'est-ce que ça veut dire? On vient de créer une fonction là à l'instant, c'était celle-ci. 1 demi d'exponentielle X, X strictement négatif. Il y avait du 1 demi normalement, 1 demi de racine de 3 sin plus cos, sin X, plus cos X, on s'en fiche un peu. Si x là par contre c'était appartient à 0 pi sur 3 pour la fonction et elle valait 1 si x c'était strictement plus grand que pi sur 3 et de ça on en a calculé une fonction f prime de x. Alors c'était la même chose, hein, demi exponentielle x. Il devait me manquer racine de 3, sinon bah non, je dois garder le racine de 3 à l'intérieur, je suis bête, je vais trop vite. On avait trouvé ça pour l'autre, racine de 3 cos moins sin. Alors je vais pas avoir assez de place. Je vais noter en dessous. Là par contre on avait mis si x est compris strictement, vous êtes d'accord, entre 0 et pi sur 3, on ne savait pas si elle était dérivable. Et ensuite on avait mis 0. Donc il faut bien comprendre ce qui se passe. Ça c'est la dérivée de la fonction de répartition. En l'état. Ce n'est pas encore une densité. Qu'est-ce que c'est une densité de probabilité? C'est toute fonction f définie sur R. Cette fonction-là, je suis désolé, pour le moment, on ne l'a pas définie sur R. À valeur positive, bon, elle a des valeurs positives et on va voir ce qui se passe. Et elle doit vérifier, ce que vérifie bien ma fonction, c'est que quel que soit x dans le domaine où la fonction était dérivable, la valeur de ma fonction doit être égale à la dérivée. Mais pour définir une densité, donc si x a pour f dr grand F, si je veux en définir une densité f de x, j'ai plein de choix. En fait, il y en a plein. Je peux définir f1 qui serait la fonction. Faire des vraies accolades, ça ira mieux. Bah, 1 demi de x. Si x strictement négatif, puis je vais poser qu'elle vaut 10 000, si x vaut 0, puis je vais poser qu'elle vaut 1 demi racine de 3 cos x moins sinus x, si x est compris entre 0 et 3, pi sur 3, puis après pour en pi sur 3, je vais dire qu'elle vaut 42. Si x est égal à pi sur 3, et ensuite je vais lui donner la valeur 0 si x plus grand que pi sur 3. Ceci est une densité. Si j'avais voulu mettre moins 42 ici, c'était pas une densité. Elle n'était pas à valeur positive, ma fonction que je crée. Mais ce que je suis obligé de faire, c'est de la créer sur R. Bon, soyons clairs, on va pas s'embêter avec un truc pareil. Très souvent, ce qu'on va juste faire, c'est prolonger comme on veut dans un sens comme dans l'autre. On s'en fiche, mais les inégalités qu'il y a, par exemple, j'aurais pu vouloir dire, je veux que ça fasse 1 demi d'exponentielle x si x est négatif ou nul. En faisant ça, je pose bien une valeur à ma fonction en 0 en faisant ça, et cette valeur est bien positive.
J'aurais pu dire derrière, par exemple, qu'elle vaut 1 demi sur racine de 3 cos x moins sinus x si x, bah là, vu que j'ai déjà posé en 0, appartenant à 0 pi sur 3 exclu encore, et j'aurais pu dire que ma dérivée, je veux qu'elle vaut 0 si x est supérieur ou égal à pi sur 3. Ça pose pas de difficulté, ça me permet de tout construire. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous ne la dérivez qu'aux endroits où elle est dérivable, et là où elle n'est pas dérivable, vous posez des valeurs. Donc ça, il faut quand vous avez une fonction qui n'est pas dérivable partout, et que vous ne voulez pas vous embêter à vérifier qu'elle est dérivable partout, il faut que dans votre rédaction, de si on vous demande de trouver une densité, on n'a pas encore fait d'exo comme ça, mais que vous expliquiez de voilà la dérivée, voilà ma densité, j'ai posé arbitrairement des valeurs positives ailleurs. On vous dira jamais rien. Est-ce que vous voyez la subtilité entre grand F' et petit f1? Que grand F' n'est pas défini sur R, mais que la nouvelle fonction que j'ai fait est définie sur R. Donc une densité, c'est une fonction définie sur R, positive, qui est la dérivée d'une fonction de répartition. Alors, j'ai mis une propriété, on va aller lire le graphe. Ça, c'est un graphe mieux fait que mon dessin de ce matin, de ce que je vous ai expliqué. Si j'ai une fonction de répartition, si ici je regarde un niveau alpha de proba, ce que je suis en train de dire en regardant ça, c'est que ma fonction vaut alpha quand j'atteins une certaine valeur ici qui vaut, je sais pas, je veux dire pourquoi, 0,5. Donc ce que traduit cet événement-là, tiens, je vais peut-être leur copier le graphe pour pouvoir traduire ce que ça veut dire d'un point de vue proba. Je l'ai peut-être écrit en dessous, non? Non, je ne l'ai pas écrit. Donc je vais prendre ça et je vais le mettre de l'autre côté. Donc imaginons, je ne l'ai pas marqué, mais que le niveau ici, le point ici, je pense que vu mon dessin, je l'ai fait comme ça, le point ici c'est 0,5. Ce que je traduis cette info-là, c'est quoi? C'est que la probabilité que x soit plus petit que 0,5 vaut alpha. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est ça que traduit cette info de ce graphe-là? Et donc, ce que ça traduit sur la densité, si je trace f de t une densité de cette fonction-là, bah c'est que toute la surface qui va de moins 3, si ma fonction commence à moins 3 comme ça, jusqu'à 0,5, cette surface-là, si je note ça comme l'intégrale de moins 3, ou je pourrais même mettre de moins l'infini, on va dire, si elle va jusqu'à moins l'infini, jusqu'à 0,5 de f de t dt, je sais aussi que ça fait alpha. Donc en fait, on va traduire en termes de surface sur la densité, ce qui se traduit en termes de valeur sur la fonction. Ce qui fait le lien entre les deux, c'est juste le théorème fondamental de l'analyse. C'est dire que toute fonction admet une primitive, si petit f j'en prends une primitive, sa primitive, c'est la fonction de répartition. Et c'est juste le lien qu'il y a là entre les deux qui permet de prouver ça. Si vous comprenez ça, ça nous donne en fait la formule la plus importante à comprendre du chapitre. Peut-être que j'aille dans mon chapitre pour l'avoir. Qui est le lien entre densité et fonction de répartition tel que nous, on va s'en servir. C'est-à-dire que ce qui va nous servir tout le temps, c'est qu'en fait, la fonction de répartition, parce que des fois, je ne vais pas vous donner une variable par rapport à sa fonction de répartition, je vais vous donner sa densité et je vais vous demander de me calculer sa fonction de répartition. Donc, le lien entre densité et fonction de répartition, il y en a deux. Mais le lien qui est valable du point de vue, entre guillemets, quel que soit x, ça c'est valable quel que soit x appartenant à R, c'est que la fonction de répartition prise en x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de petit f de t dt. Et ça nous apprend déjà plein de choses. Par des petits calculs et là des petits raisonnements de proba tout bête. La probabilité que, pour une variable à densité, j'en ai déjà parlé, mais la probabilité de exactement valoir petit x. Non, avant de faire celle-là, je vais peut-être en faire une autre. Tiens. C'est quoi pour une variable à densité la probabilité d'être strictement plus grand que x?
Bah, on sait, nous, que c'est 1 moins la probabilité de x plus petit que x. On passe par le contraire. Donc ça, je vais le calculer comme 1 moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de moins l'infini à x de f de t dt. Mais on sait aussi autre chose. On sait que f de x, ça tend vers quoi? F de x quand x tend vers plus l'infini? Ça tend vers 1. Donc on vient d'apprendre aussi que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt, ça fait 1. Du coup, le 1 qui est là, dans ce calcul-ci maintenant, le 1 qui est là, je peux l'écrire intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt. Donc moins l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Du coup, en fait, c'est quoi la probabilité que x soit plus grand que x? Bah, c'est juste l'intégrale de x à plus l'infini de f de t dt. Oui, si je vous donne, par exemple, quelle est la probabilité que cette variable soit plus grande que 2? Si je veux la probabilité que x soit strictement, enfin strict ou supérieur, je m'en fiche, on va le voir dans un instant, supérieur ou égal à 2, ça correspond à. On est d'accord que c'est la surface qui est là? Si je veux avoir une variable plus grande que 2? Donc, notre définition, elle permet d'avoir tout plein de propriétés simples sur des calculs de probabilité de variables à densité. Typiquement, tout ce qui va arriver en dessous. On a toutes ces petites propriétés-là. Ça coûte pas cher. Bah, la probabilité de faire exactement x, bah, c'est l'intégrale de x à x d'une fonction f de t dt. Voilà pourquoi ça fait 0. C'est pour ça qu'une variable à densité, elle peut pas, on ne peut pas donner sa loi par la liste des valeurs. C'est une surface et cette surface-là, elle fait tout le temps 0. Ça, c'est celle que je viens d'expliquer. Si maintenant je vous donne deux bornes, puisque la probabilité d'être égale à quelque chose ne sert à rien, enfin ne vaut 0, la probabilité d'être dans un intervalle large ou dans un intervalle semi-ouvert, dans un sens, dans l'autre, ou d'être dans un intervalle strict, ces quatre probabilités-là sont exactement les mêmes, vu que la probabilité d'être égale au bord, elle est nulle, et elle vaut tout simplement l'intégrale de AB de f de t dt. C'est assez rare qu'on vous demande des calculs de proba en variable à densité. On fera sûrement un exo où on en fera un. Mais une fois de temps en temps, c'est très très rare. Ils vous demandent de calculer la proba que la variable x soit plus grand que quelque chose. Bon, bah, on va aller le faire. Enfin, soit compris entre telle valeur et telle valeur. Ça se fait par un calcul d'intégrale et rien de très méchant. Oui, Yanis? Oula, wow, que la probabilité admet une espérance, c'est plus loin, c'est plus compliqué justement. Mais justement, on vient de créer des variables aléatoires, on n'en a encore pas parlé, et je pense pas qu'on va en parler aujourd'hui, mais on va se poser la question à un moment, est-ce que ces variables, elles admettent des espérances et des variances? Exactement. Et la question va se poser en termes de convergence d'intégrale, Yanis, exactement. Donc on va se poser les questions un peu plus tard. Là, l'idée, c'est quoi? C'est que je vous ai moi déjà expliqué une propriété qu'on n'a pas encore revue là en termes de propriété, qui est. Si je vous donne une fonction, qu'est-ce qui en fait une fonction de répartition d'une variable à densité? On va se poser aussi un autre type de question. Si je vous donne une fonction, qu'est-ce qui en fait une densité de probabilité? Et ensuite, une fois qu'on saura l'un ou l'autre, bah on fera des calculs pour trouver les densités quand on a les fonctions de répartition, les fonctions de répartition quand on a les densités. On va apprendre à faire tous ces calculs-là. Donc ça, c'est vraiment la base sur les variables aléatoires à densité. Ce n'est pas du tout des calculs de proba, c'est des calculs d'intégrale et ce genre de choses ou de dérivées. Mais il faut qu'on voit les petites propriétés qui sont là. Donc celles dont on a déjà parlé, donc c'est tout ce qui va être ce que j'appelle caractérisation. Comment on va prouver qu'une variable a la même loi qu'une autre, que cette densité est une densité de proba, enfin que cette fonction est une densité de proba, comment on va prouver que cette fonction est une fonction de répartition d'une variable à densité? Bah ça, on en a déjà parlé. C'est les deux exos qu'on a fait ce matin, ça. Comment on va prouver qu'une fonction est une fonction de répartition? Bah, on va dire que f est la fonction de répartition d'une variable à densité x si elle est continue croissante, c1 sur r éventuellement privé d'un nombre fini de points, et que ses limites, ça fait 0 et 1. C'est ce qu'on a vérifié dans les deux exos depuis ce matin.
Avant que je remette la propriété et avant que, sans lire le cours, qu'est-ce qu'il faudrait si je voudrais vous montrer que f, petit f, est une densité de proba? On l'a dit avant, dans les conseils, il faut qu'elle soit définie sur R. Pour le moment, nous, ce qu'on sait, c'est qu'elle doit être définie sur R, positive. Et on sait que pour tout x appartenant à ce que j'appelle A, donc R privé des quelques points qui vont changer à chaque exo, il faut que f' de x, ça fait f de x. Donc sans connaître, mais ça c'est quand on connaît grand F, sans connaître grand F, qu'est-ce qu'il faudrait vérifier pour avoir une densité de proba d'après vous? Sachant que je vais vous préciser quelque chose, c'est que cette fonction-là, on savait quand même qu'elle était classée. Hein. Bah, pour pouvoir vérifier une relation de ce genre-là, il n'y a pas le choix. Il va falloir que f soit continu sur R, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Pour pouvoir avoir une relation de ce type-là. Pour pouvoir, ça on va pas pouvoir y couper, il va falloir que f de x soit positive, quel que soit x appartenant à R. Oui? Juste là on voit qu'il y a un mot, ça c'est ça. Mais aucun lien entre les fonctions et les. Voilà, il y a un peu un lien entre fonction et intégrale. Complètement. On a une fonction à quelconque et qu'on veut l'écrire sous forme intégrale, c'est-à-dire avec sa dérivée. Ouais. À ton niveau, non. À bac plus 5, oui. Ça s'appelle la théorie des distributions. Voilà. La théorie des distributions, c'est magnifique, mais c'est très compliqué. Ils en ont besoin en physique. La théorie des distributions, ça vient de la physique. En physique, ils ont besoin de savoir faire des impulsions. Vous pouvez allumer le courant et l'éteindre instantanément. Ce qui veut dire qu'en fait, vous créez une fonction qui vaut 0 partout. Et qui vaut l'infini en 0. Et dont l'intégrale fait 1. Oui ? On crée une fonction qui vaut 0 partout, elle vaut l'infini en 0 et on s'arrange pour que l'intégrale fasse. Ça n'a pas de sens, c'est une théorie des distributions. On peut donc forcément, si on peut calculer des intégrales là-dessus, après on peut dériver, on peut faire des fonctions, c'est infini, on peut s'amuser. Mais toi, non, tu ne sais pas intégrer une fonction non dérivable. Enfin, tu ne veux pas l'écrire par rapport à son théorème de l'analyse. Ça ne marche pas. Dernière chose, si je fais ça, je crée bien une fonction qui vérifie cette relation-là, qui est positive, qui est définie sur R. Mais par contre, il y a plus que C1 dans cette relation-là. Il fallait que la fonction qui soit là soit une fonction qui soit une fonction de répartition. Pour être une fonction de répartition, elle devait être continue croissante. Elle va être croissante parce que si sa dérivée est positive, elle va être croissante. Il faut qu'elle soit C1 sur R, bah, comme la fonction va être continue sur R, sauf en éventuellement un nombre fini de points. Il fallait qu'il y ait des limites pour la fonction de répartition. Cette notion de limite sur la densité, ça devient la valeur de l'intégrale. En fait, ce qu'on va savoir, c'est que puisqu'on sait qu'entre guillemets que l'intégrale f de x, ça va être l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. L'intégrale de moins l'infini à moins l'infini, si j'essaye d'injecter en moins l'infini, bah ça va faire 0. Donc il va pas avoir de contrainte avec essayer d'écrire la primitive comme ça. La contrainte, elle va venir qu'il faut en troisième propriété, qu'il faut que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt existe. Et que cette intégrale, elle vaut 1. C'est une intégrale impropre, il faut que sa valeur soit 1. Donc ce qui va nous amener à faire beaucoup de calculs de primitives, parce que je vous rappelle que quand la question c'est montrer que ça existe et la calculer,
On revient à des bornes finies moralement et on fait des calculs. On ne passe pas du temps à se comparer à Riemann. Donc quand on va vous demander de montrer qu'une fonction est une variable à densité, il va falloir faire du calcul de primitive, du calcul de forme de référence. Ce qu'il va falloir réviser un petit peu, hein, parce que les calculs d'intégrale de ce que je corrige dans le DRS, c'est pas terrible. Hein. Oui. Pour, si on a une densité de proba, oui. Exactement. Si on a une densité de proba, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini vaut 1. Et si on a ces trois propriétés-là, on a une densité de probabilité. Donc ce qui caractérise une densité de probabilité, ce qu'il faut prouver quand on vous demande de prouver quelque chose est une densité de probabilité, c'est ça. Alors, bon, c'est ce qu'on vient de dire, hein. Je mets juste qu'on a vu cette propriété-là de cours. Juste, quelque chose dont on va pas trop se servir, mais qui est... faut le dire une fois et c'est tout. J'ai défini la notion de loi au niveau de ce chapitre par la notion d'égalité. Merci. Par la notion d'égalité des fonctions de répartition. Donc par définition, deux lois sont égales quand les fonctions de répartition sont égales. Mais si je vous donne deux densités de probabilité et que je vous demande est-ce que les variables ont même loi, les densités caractérisent aussi la loi. C'est-à-dire que si les fonctions, les densités sont égales, sauf en un nombre fini de points près, alors les lois qu'on va créer grâce à ça vont être les mêmes lois. La densité permet de caractériser aussi la loi. Ça c'est une propriété, c'est pas une définition, mais ça permet de faire ça. Bon bah déjà avec ça on peut faire une un beau chapitre d'exercice. Comme vous allez le voir, là c'est moi qui fais du zèle. Mais c'est parce que c'est trop chiant. Et, de toute façon vous allez ouvrir d'autres bouquins comme le Rondi ou d'autres choses qui se permettent de le faire à tour de bras. Je vais vous apprendre une notation hors programme, parce que c'est juste que les fonctions de densité c'est super lourd sinon. Une notation hors programme, c'est ce qu'on appelle la fonction indicatrice d'un ensemble. Alors je vous ai donné un truc très simple, donc c'est la petite notation qui est là. Ce qu'on note 1 de A, c'est la fonction indicatrice de l'ensemble A. Je vais vous donner un exemple très simple. La fonction indicatrice de l'intervalle 0,1 de R, c'est la fonction qui vaut quoi? Bah, elle vaut 0 si x est strictement négatif. Elle vaut 1 si x appartient à 0,1. Et elle vaut 0 si x est strictement plus grand que 1. En gros, une fonction indicatrice, c'est une fonction qui vaut 1 là où je mets l'ensemble de mon indicatrice et qui vaut 0 partout ailleurs. Parce que vous êtes d'accord que tout à l'heure, je vous ai défini une fonction par trois expressions. Donc je vais vous donner une densité de proba qu'on va beaucoup considérer plus tard, parce que c'est une loi de référence, c'est la loi exponentielle. La densité de proba de la loi exponentielle, c'est la fonction f de x qui vaut... elle vaut lambda exponentielle moins lambda x si x est positif ou nul. Non, souvent on l'écrit même strictement positif ici. Et elle vaut 0 si x est négatif ou nul. Donc plutôt qu'à tour de bras dans plein d'exos vous écrire ça avec des accolades à chaque fois, ce que je me permettrai c'est d'écrire que ça c'est lambda exponentielle moins lambda x indicatrice de l'intervalle 0 plus l'infini de x. Ça permet de résumer toutes les accolades en une seule ligne. Donc dans tous les exos de bouquins d'exo de densité où on balance montrer que 25 fonctions sont des densités, plutôt que de mettre des accolades partout et de faire une page d'énoncé, on utilise cette notation d'indicatrice. Elle ne sera jamais utilisée dans les sujets de concours. Il y aura toujours les accolades, c'est juste, sachez que je vais l'utiliser dans le chapitre sans m'en priver parce que c'est pratique. D'ailleurs, ça l'est dans l'exo qui suit, donc c'est pour ça que j'en parle tout de suite. Je vais vous les réécrire à chaque fois comme il faut, mais il ne faut pas que vous soyez choqués si vous voyez ça dans un bouquin. Je vous l'avais promis, je vous l'avais dit. Donc pour chacune des fonctions qui sont là, on va faire ça.
pour chacune des fonctions, on va montrer tout ça. Donc là, on va, pour la fonction moins lnx, bon, j'ai mis tracé approximativement son graphe, c'est juste que ça me permet de faire des rappels de fonctions. Vu à chaque fois que je vous demande la fonction inverse ou la fonction ln en col, je pense que ce n'est pas des révisions trop... Enfin, non nécessaires, dirons-nous. Alors, si je me place sur 0,1, la fonction moins ln. Alors, la fonction ln, elle fait ça. Donc, la fonction moins ln. Elle fait ça. Je prends le graphe de la fonction ln et je le retourne. Sauf que ma fonction, elle vaut moins ln que sur 0,1. En dehors de ça, ma fonction, elle vaut 0. Donc, de là à là, elle vaut 0. Mais aussi, de 0 à moins l'infini, elle vaut 0. Je vous rappelle qu'une densité, c'est forcément défini sur R. Donc quand je vous note ça, ce que je vous dis, c'est que f de x, elle vaut 0 si x est négatif. Elle vaut moins lnx si x est compris entre 0 et 1. Et elle vaut 0 si x est supérieur ou égal à 1. Ce que vous auriez dans un sujet de concours, c'est ça. Oui, Marie ? Oui, sinon ce serait même plus une densité. Alors c'est même pas qu'elle serait négative, c'est juste que ça pourrait plus être une densité de proba si elle prend des valeurs négatives. Donc on la coupe, mais même pour être une densité de proba, dans les trois points qu'il faut vérifier continue sauf en un nombre fini de points, positive. Bon, ça, l'autre partie que tu disais nier, mais il faut aussi que l'intégrale fasse 1. Donc on ne peut pas prendre n'importe quelle surface. Là, c'est parce que si on coupe à 1 la surface, pour être une densité. C'est pour ça. Bah voilà. Montrer, donc maintenant, montrer que c'est une densité de proba. Première chose à faire, la positivité, ça me paraît être le point le plus simple. On commence par ça. Bah, on a 0 positif ou nul, très très dur. Et moins lnx positif si x appartient à 0,1. Donc pour tout x appartenant à R, f de x est positive. Premier point fait. En général, là je fais du zèle. On va pas trop vous embêter avec ça, mais il faut que ce soit énoncé quelque part que la fonction est positive. Deuxième point, on va faire le deuxième point le plus dur. On va montrer qu'elle est continue sur R éventuellement privé d'un point. Enfin, d'un nombre fini de points. La fonction x qui donne 0, bah celle-là, elle est clairement... Je vais même aller assez infini sur... Bah, moins l'infini, 0... Union 1 plus l'infini. La fonction qui a x donne moins lnx. Elle est clairement c'est infini sur 0,1. Donc f est continu sur R, éventuellement privé, des points de où je dois recoller. Officiellement, là, parce que j'ai dit, éventuellement privé de... Ouais. Et vous voyez juste, c'est parce que je vous ai demandé le graphe. Qu'est-ce qui se passe en 1? Bah en 1, ln de 1, il fait 0. Et ensuite, ma fonction, elle fait 0. En fait, il n'y a pas deux points qui posent problème ici. Il n'y en a qu'un, il n'y a que 0. Mais on s'en fiche. On a juste besoin qu'elle est continue sur R, éventuellement privée d'un nombre fini de points. Donc là, par exemple, il y a 1 qui poserait aucun problème. Mais on ne va pas aller s'embêter à aller vérifier qu'elle est continue en 1. On n'en a pas besoin. Troisième point, il faut vérifier la convergence et la valeur de l'intégrale. Donc pour ça, et notamment quand les fonctions ont plusieurs expressions,
on va pas vous embêter trop avec ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre de dire, il faut montrer que l'intégrale de moins l'infini, montrons que, de f de t dt, converge et vaut 1. Et là, on va simplifier. C'est-à-dire, clairement, pour nous, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt, vu que ma fonction vaut 0, plus l'intégrale de 0 à 1 de moins ln de t dt, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini de 0 dt. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on va pas s'embêter. Ça, on va directement le simplifier, mais il faut que vous fassiez cette étape-là en l'intégrale de de 0 à 1 de moins ln de t dt converge. Donc en gros, montrer que ma fonction est une densité, ça revient à calculer l'intégrale de 0 à 1 de moins ln de t dt. Donc pour ça, on a déjà parlé du domaine de la fonction ln, on va aller un peu vite. L'intégrale ici, elle est clairement impropre. En quel point ? Amélie ? Ouais, en 0. Donc maintenant, pour calculer l'intégrale, je vous rappelle que si on veut utiliser des techniques de calcul d'intégrale, il vaut mieux mettre des bornes, enlever la borne qui pose problème. Si on fait une IPP là-dessus, ça va me faire du moins t ln de t. Des deux fonctions que j'ai calculées, donc t fois la dérivée 1 sur t. J'ai posé u prime de t qui fait 1 . Ah, il va falloir que je mette un plus ici, sinon je vais avoir un petit problème, pardon. V de t, c'est moins ln de t. V prime de t, ça fait moins 1 sur t. U et V sont bien C1 sur je vais pas m'embêter ici, 0,1. Et donc ça me fait du moins epsilon ln de epsilon plus intégrale de 1 à epsilon de 1 dt, ce qui fait au final du 1 moins epsilon ln de epsilon. Oui. Bah, il faut mettre moins t ln de t moins t entre parenthèses. Et ça, c'est bien d'utiliser quand on connaît la bonne valeur de l'intégrale. Alors, j'ai pas envie de chambrer Nathan parce qu'il a fait d'autres trucs très très bien. Mais calculer une intégrale en ln de t en utilisant t ln de t plus t, bah ça marche moins bien. C'est dommage parce qu'il a fait des bonnes choses, mais ça, c'était pas ton plus grand éclair de génie pendant le DS. Par contre, savoir calculer l'espérance de la variable qui vaut 3,5 sans erreur du début à la fin nickel et se foirer à la dernière ligne pour un parenthésage, c'est normal parce qu'en fait t'avais 1/2 de 4-1, sauf que le 4-1 il était entre parenthèses, et 4-1 entre parenthèses ça fait 3 et ça fait 3/2. C'est vraiment juste pour ça, Nathan, t'as eu tous les points quand même. Mais par contre, je t'ai allumé ailleurs, notamment à ton TLN de T plus T. Mais quand même, c'était tellement beau que j'ai mis tous les points. Mais quand même, se rater à une erreur de parenthésage quand on fait un calcul si beau. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire tendre epsilon vers 0. Et donc ça tend quand epsilon tend vers 0, clairement vers 1, par croissance comparée, parce que... Qui m'a fait ça? Je sais plus dans... La croissance comparée, ça s'utilise quand il y a des ln, des exponentielles et des puissances. Quand on a des quotients de puissance, on simplifie juste les puissances, c'est pas de la croissance comparée. Je sais plus qui m'a fait ça, mais...
Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt converge et vaut 1. F est une densité de probabilité. Allez, on en fait juste une deuxième et on arrêtera là. On va faire ma préférée. Je l'ai même pas mis. Allez. Elle est derrière, Wellens. Non. Ah bah je vais vous piéger direct avec celle-là alors. Ça m'énerve tellement. Alors celle-là, vous allez la prendre par cœur, je vous le dis. C'est une question de cours, c'est sûr et certain. Et vous l'apprenez par cœur. C'est pas possible que vous la reteniez pas, celle-là, j'en ai marre. Ça va vous servir pour l'espérance de la loi normale, ça va vous servir pour un million de trucs. Celle-là, vous n'avez pas le droit de l'oublier. Alors faut pas que je me trompe sur la constante, mince. On peut être strict, c'est pas gênant, on s'en fiche. Il y a une constante, il manque une constante, il faut que je la retrouve de tête. Bah non, c'est juste ça. Voilà. Donc la fonction f de x, elle vaut ça. Montrer que f est une densité de proba. Premier point. On a 0 positif. Et pour tout x positif, x positif et exponentielle moins x carré positif, par produit x exponentielle moins x carré sur 2 positif donc cette fonction elle est bien positive. Deuxième point, x donne x carré sur 2, moins x carré sur 2, sont C infini sur R en tant que polynôme. Je détaille bien, mais... l'exponentielle est C infini sur R. Par produit et composé. La fonction qui a x donne x exponentielle moins x carré sur 2. Pour nous, elle va être clairement continue sur... Nous, on a juste besoin de continue sur R+. La fonction nulle, elle est continue sur R-. Donc on en déduit que f est continu sur R. Sur R privé de 0. Bon, elle est peut-être continue en 0. Je n'ai pas regardé. Mais on n'a pas besoin de regarder. Les règles d'opération sur les domaines différents me font dire que c'est au moins continu là-dessus. Il faudrait que je vois ce qui se passe en 0. Clairement, en 0, elle est continue en plus. Mais j'ai pas besoin de le dire. Troisième point, et c'est ce point-là qui va m'énerver le plus. Donc, encore une fois, l'intégrale de moins l'infini de f de t dt. Ici, c'est clairement l'intégrale de moins l'infini à 0 de 0 dt, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins t carré sur 2 dt. Tout le monde assume la calculer, celle-là au...
Au sujet HEC, il l'avait. Hein. C'était votre intégrale A1 ou je sais plus ce qu'il y avait. Hein. Aucune pression, mais c'était la question 1 du sujet quand même. Enfin. Donc on veut montrer que ça converge et la calculer. On revient donc à des bornes finies pour essayer de faire le calcul. Cette intégrale, elle est clairement juste impropre en plus l'infini. Donc on met une borne A. Comment je calcule ça? Kautar? Oh, bonne idée de changement de variable. Qu'est-ce que tu poserais comme changement de variable? Non. Samy? Une primitive, j'irai pas jusque là. Mathéo? Oui, c'est une forme de référence. C'est une forme de référence à... Bah oui, on sait primitiver ça, il faut savoir le faire. La pire idée, c'est l'IPP. Et l'IPP, c'est ce que tout le monde veut faire sur cet exo-là. Donc maintenant, vous êtes des gens civilisés, vous tentez pas une IPP là-dessus, vous apprenez que t exponentielle moins t carré, ça se primitive. Après, vous galérez pour retrouver la primitive. Oui. Oui. Le problème, il est dans tes calculs. Parce que je vais t'expliquer que ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Et je crois qu'il y a un prof de maths qui arrête pas de râler sur la positivité de l'intégrale quand les bornes sont dans le bon sens. Donc, il est clair que ce nombre-là, il est positif. Hein. Donc, bon, on arrête là dans 10 secondes. Ce qu'il faut remarquer, ce qui revient à ton idée de changement de variable, Kautar, c'est que il faut essayer de faire apparaître une composée avec l'exponentielle. Donc si on pose u de t qui fait moins t carré sur 2, u prime de t ça fait moins t, et maintenant ça devient l'intégrale de 0 à a de t, exponentielle u de t, on force le u prime de t à apparaître et donc on le divise par moins t. À ce moment-là, vous devez voir que les t se simplifient. Il nous reste moins l'intégrale de 0 à a de u' de t exponentielle u de t dt. C'est une forme de référence. Il n'y a plus de x, enfin, il n'y a plus de t. Ça se primitive en exponentielle de u de t à prendre entre 0 et a. Et donc ça, ça me fait du moins exponentielle de moins a au carré sur 2. Plus exponentielle de 0. Et maintenant, très très vite, quand a tend vers plus l'infini, dans l'exponentielle, ça c'est de la forme 1 moins exponentielle de moins l'infini, on est bien d'accord? Ça fait du 1. Non, il n'y a pas de croissance comparée, non. Alors cette loi-là, elle n'a pas de nom dans votre programme, elle n'a pas de vrai nom en somme. Je vous l'appellerai toujours la loi espérance normale, parce que l'espérance de la loi normale, il va faire intervenir cette fonction-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a déjà